Bonsoir. Bonsoir, Reine Marissa. Bonsoir. Bonsoir le roi de Diouf, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir la reine Elisha, bonsoir la reine Yolande, la reine Zola, bonsoir, Gloire, pourquoi Benjamin, bonsoir, la reine Justine, bonsoir, Zay, Queen Zay, how are you? Reine Blandine, bonsoir. Le roi Hervé, bonsoir. La reine Stéphanie, le roi Jordan, la reine Grâce, la reine Dolores, la reine Larège, la reine Océanie, Athéna, la reine Kemsi, la reine Christiane, merci, le roi Kevin. Tu es celle à qui les esprits te demandent de passer des messages. Ils m'ont pas encore dit. Vous m'amusez souvent. Par la grâce divine, je vais bien. Vous savez, parfois notre plus grand obstacle, ça peut être de ne pas abandonner. Parce que quand j'y pense bien, tout ce que tu commences et tu ne laisses pas. Donc, même si ça te refuse pendant 50 ans, tu es tout sur ça. Tu vois, non. Un moment éventuellement, ça va te dire, bon, laissez la fille la passer. Vous comprenez?
Donc nous sommes au troisième jour de jeûne. On a commencé à jeûner depuis mardi minuit. Ok. Ils ont pas les argiles qu'ils mangent, les carottes qu'ils mangent. Vous commentez mon poids, je vous bloque. Vous comprenez? Vous commentez mon poids, je vous bloque. Si mon poids va faire que vous ne m'écoutiez plus, je vous bloque. Quand ils mangent ma nourriture, je ne sais pas pourquoi ça dérange les gens. Voilà. J'ai passé une journée très... Est-ce que bon? J'ai passé la journée à regarder certaines de mes vidéos. Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'enseignements que j'ai mis là-dedans. Beaucoup. Certaines personnes me regardent. Il y a quelque chose que l'une d'entre vous m'a dit hier. On est en train de faire la... Hier, pendant la séance de prière de 18h, je pense, on a juste fait des conversations. Et la dame disait en fait que... Bonsoir la reine Fausta. Elle disait que elle a... Quand elle est tombée sur mes vidéos, elle montre à une de ses amies... En lui disant, regarde, regarde. Elle montre à l'autre. Donc, elle a montré peut-être à 3 ou 4 personnes. Et les 4 personnes disent qu'elles me connaissent. Et c'est là qu'elle dit, ah, donc je suis dans Boutoukou alors. Vous la connaissez depuis. Vous, je sais pas comment elle peut dire. Vous écoutez ce qu'elle dit. Vous savez comment l'homme africain est, non? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. Si jamais ils pouvaient même regarder et faire que Facebook ne compte pas le nombre de vues. Parce qu'ils regardent, ils ne like pas, ils ne commentent pas, ils ne partagent pas. En fait, si pour eux, Facebook pouvait ne pas compter leurs vues pour que ma page n'avance pas, ils le feraient. J'ai trouvé que c'est quand même assez... Je trouve que l'être humain est assez bizarre. Et quand ces personnes font ça, ils pensent qu'ils font ça pour... Ils pensent que peut-être ils bloquent les gens qui sont autour d'eux, ou bien ils me bloquent moi. Mais ils ne savent pas que c'est un problème de cœur. Parce que l'univers, je voudrais souvent dire que l'univers est très juste. L'univers connaît le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Hein? Nombre de graines de choses sur ta tête là. Les pensées de ton cœur. La jalousie. La noirceur qu'il y a dans ton cœur là. L'univers connaît. On sait que parfois tu vois, tu es là, dès que tu découvres ma page, tu parles à toutes tes cousines. Tu dis à toutes tes cousines, certaines vont me faire semblant comme si elles ne me connaissaient pas. Alors que c'est là que déjà le sel. J'ai des personnes qui font les lavages. De leur cousine, de leur cousin, dit que non, depuis comment je te connais, j'ai vu comment ma vie. Une femme m'a envoyé un message ce matin que, avant sa mère ne vendait même pas 1000 francs par jour. Enfin, elle ne rentrait pas à la maison avec 1000 francs. Maintenant, depuis qu'on a fait son lavage, tous les jours elle rentre au moins avec 5000. Et la mère ne se lave même pas encore avec le sel. Donc, il y a des personnes qui ont découvert ce que je fais, et même en cachette, ils ont quand même voulu aider leurs gens. Mais c'est vrai que sur d'autres, leur cœur est tellement noir. Je demande la lucidité. Je sais que le message qu'il y a de nous, ça va toucher quelqu'un. Donc, je cherche ma cloche. Cloche, tu es où? Une cloche qui marche. Où dans le bras? Ah, te voilà. Je viens ouvrir votre esprit. J'ouvre l'atmosphère autour de vous pour mettre la paix dans votre cœur. Pendant que je parle, que votre esprit saisisse ce que je vais dire, que vous trouvez les solutions
aux questions qu'il y avait dans votre esprit depuis longtemps. Je demande la lucidité. Que ce qui était caché soit révélé. Que vous puissiez penser de façon correcte. Parce que souvent, tu es dans une situation, tu t'accuses alors qu'on est en train de t'opprimer. Mais on te fait croire que c'était ta faute. Je demande le discernement sur vous. Pendant que je parle, que vos ancêtres et le Saint-Esprit, la Vierge Marie, l'ange Michael, l'ange Gabriel, je coupe les têtes des Goliath qui sont venus vous opprimer. Je vous sors des cages dans lesquelles on vous a déposé. Toute frustration que vous subissez dans votre maison, même dans la maison. Tu es là, tu te caches dans un coin, tu as les écouteurs dans des oreilles pour m'écouter. Parce qu'on te frustre dans la maison là. Je déclare que pendant que je parle, la frustration tombe de ton corps. Au nom de Jésus, que la Vierge Marie t'enveloppe. Qu'elle t'apparaisse cette nuit. Qu'elle te montre le chemin. Que la Vierge Marie délivre ton enfant de tout trou là où il est. Que la Vierge Marie se pointe dans les abysses de l'enfer. Que ce soit le monde marin, sous-marin, souterrain. Qu'elle le délivre de cet endroit. Que votre progéniture ne souffre plus. Au nom puissant de Jésus. Je sens tellement la présence de la Vierge Marie. Je crois que je vais un peu rester sur la Vierge Marie ce soir. Vierge Marie, qu'est-ce que tu as le plus à donner à tes enfants? Je chasse le désespoir de votre esprit. Je chasse le désespoir. Que tout ce qu'on a attaché de vous, que ce soit des vêtements, des paroles qu'on allait au bord de l'eau, on a prononcées contre vous, je commande à la mère de recracher les incantations faites contre votre vie. Toute personne, que ce soit des personnes qui sont bien côtiers, qui vivent dans les endroits où il y a de l'eau et qui viennent des familles qui font des incantations marines, toute personne comme ça qui a fait des incantations contre vous, qui a utilisé le pouvoir de l'eau pour vous attacher, je déclare aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, la reine de l'univers, par sa force que vous êtes délivrés. Le pouvoir qui a sorti Jésus de la tombe. Jésus avait fait 3 jours, il était mort. Écoutez, hein. Il était déjà mort. On avait confirmé, on a touché son corps, on a dit que c'est fini, il est mort. Le 3e jour, on a roulé la pierre. Depuis toute cette semaine, je veux que vous parlez de rouler la pierre, rouler la pierre, rouler la pierre. Toute situation qui était désespérée dans ta vie. Jusqu'à toi-même, tu avais abandonné, tu avais déjà. Ton Lazare là, que tu avais enterré, tu as fermé la tombe, jusqu'à tu as dit ok, on va faire les funérailles quand. Je ressuscite cette personne, que ce soit ton mari, que ce soit ton enfant, que ce soit ta situation, tes papiers, oh, que ce soit ton mariage, oh, que ce soit. Je ressuscite cette situation. Qu'il te soit fait selon ta volonté. Vierge Marie, tu es notre mère. Nous venons à toi. Nous ne pouvons rien sans toi, maman. Guide-nous. Que tu apparaisses à tes enfants cette nuit, Vierge Marie. Que tu viennes les envelopper de tes mains, de tes bras. Maman, que tu enlèves la douleur ou ceux qui se sentent abandonnés. Je vois quelqu'un que tu te sens seul. Les gens ont tellement comploté contre toi. Et actuellement, tu es vraiment dans un désarroi. Et tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Vierge Marie, que tu te pointes dans sa maison aujourd'hui. Maman Marie, tu as conçu sans péché. Tu es la reine de l'univers. Tu nous consoles. Dans ce temps de carême, dans ce temps où nous sommes en train de jeûner, que ta présence inonde notre maison. Nous étendons tes bras, maman, nous couvrons nos enfants. Quel que soit l'endroit où nos enfants sont sur cette terre, prononcez le nom de vos enfants 3 fois. Prononcez leur nom. Nous envoyons la légion d'anges pour qu'ils aillent les protéger, les couvrir,
les protéger contre toute attaque. Je déclare que vous ne perdrez plus aucun enfant cette année. Je viens mettre la protection angélique sur chacun de vos enfants. Je déclare, un parent n'est pas censé enterrer son enfant, c'est l'enfant qui enterre son parent. Tout verdict, toute mauvaise nouvelle qu'on t'a donnée, je viens inverser cela au nom puissant de Jésus. Je déclare plus de fausses couches dans ta vie. Plus de fausses couches. Quand elle a conçu, Jésus l'a accouché sans avoir un problème. Elle n'est même pas à l'hôpital. Tous ceux qui sont enceintes, je déclare sur vous un accouchement facile, rapide, au nom puissant de Jésus. Je chasse la peur de comment ça va se passer. Toute main maléfique sur vos enfants, sur vos ventres, je viens enlever ces mains maléfiques. Le rêve que tu as fait dans la nuit, on est venu, on a touché ton ventre. Je chasse ces mains maléfiques au nom puissant de Jésus. Si vous avez l'huile de blindage, il faut oindre ça sur votre ventre ce soir avant de dormir. Pour celles qui sont enceintes. Bon, il va la laisser ici là en parlant. On va voir ce qu'elle aura à dire. Maman, parfois nous t'oublions, parfois nous prions, nous sommes occupés, nous t'oublions. Le pouvoir d'une mère. Vous vous rappelez la sensation là, je sais qu'il y en a que vous avez perdu votre mère, mais il y a ce truc là, il y a cette confiance que tu as là quand ta mère est là. Moi, quand j'ai grandi, quand j'ai grandi avec ma mère jusqu'à peut-être 8-9 ans, et ma mère avait un restaurant, un bar-restaurant. Ce qui fait qu'elle fermait tard, elle rentrait toujours vers 2h, 3h. Et elle partait toujours acheter le poisson brisé en haut là-bas vers le carrefour de Tounganville là. Pour venir avec. Donc je me couchais sur le canapé, je l'attendais, elle partait pas dormir dans la chambre. Et quand j'entends sa voix dans le sommeil comme ça là, hey, j'ai encore la sensation de ça dans mon corps jusqu'aujourd'hui. Il y a quelque chose dont tu. Pour nous, nos mères sont les superwoman. Que ce soit cette image que nos enfants aient de nous. Et que ce soit cette sensation que nous-mêmes nous ayons par rapport à la Vierge Marie. Vierge Marie, viens apaiser nos cœurs. Pour ceux qui se sentent... vous vous sentez un peu fatigués. Je demande que la Vierge Marie vienne vous apaiser ce soir. Qu'elle vienne vous libérer des fardeaux. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous, vous avez des enfants, vous occupez d'eux, vous avez tellement de responsabilités. Maman Marie, que tu sois pour nous une mère, qu'on puisse venir déposer cela à tes pieds, maman, pour que tu intercèdes pour nous auprès de ton fils. Je demande qu'elle apparaisse à vous dans vos rêves cette nuit. Qu'elle apparaisse dans votre rêve cette nuit, dans votre maison, peu importe. Qu'elle se révèle à vous. Je viens guérir les blessures qui ont été causées par l'abandon, l'échec, la culpabilité. Peut-être vous avez perdu un enfant et vous en voulez, que j'aurais dû. Je chasse ces regrets de votre esprit. J'apaise ton cœur. Que sa présence, à l'instant, comme je parle, nettoie toute inquiétude. I banish any worries from your heart. Il y a aussi certains hommes parmi vous, vous avez perdu votre maman très tôt. Mais vous faites le fort. Tu vois, quand tu fais un peu le genre, je suis fort.
Que la Vierge Marie vienne toucher cette partie de toi, cette partie sensible. Quand tu vois parfois un homme costaud comme ça, quand tu le vois en face de sa mère, il est comme un bébé. Parce que la mère tient toujours cette partie de nous-là. Que votre cœur soit restauré. Que votre cœur soit restauré ce soir. Vierge Marie, apaise nos cœurs, comme je t'ai mis sur mon cœur là. Apaise nos cœurs. Guéris-nous de tout sentiment d'injustice. J'enlève l'inquiétude. Je sens que beaucoup vous demandez comment vous allez faire demain. Voilà, on doit payer le loyer demain. Je chasse toute inquiétude de votre cœur. Le doute. La fatigue. Je vois quelqu'un que tu es au bord de la dépression. Tu es en ligne depuis, tu regardes les vidéos, tu cherches les vidéos, tu sais même pas ce que tu cherches en ligne. Tu sais, c'est mal à Rosala. Tu fais ça, Rosala. Tu fais Rosala. Tu tournes les vidéos, tu passes sur TikTok, tu passes sur YouTube, tu passes sur Netflix. Tu sais même pas ce que tu cherches. Je viens t'apaiser cette soirée-ci. Je t'apaise. Quand on entre dans ce mois d'avril, que tout ton corps soit apaisé. Je chasse le doute. Je chasse le doute, l'inquiétude. Je parle à vos os. Je parle à votre chair. Je vous libère de tous les problèmes mentaux là. Tu sens l'oppression sur ta tête. Je viens mettre un cercle de feu sur ta tête. Un cercle de feu. Le feu du Saint-Esprit sur ta tête. Que le bruit de cette cloche enlève tout bruit maléfique dans ta tête. Que le bruit de cette cloche enlève tout picotement. C'est comme s'il y a des oiseaux qui piquent même tes pensées là. En fait, tu n'arrives pas à trouver le... Tu as perdu le goût à la vie. Que cette cloche te remette les idées en place. Revois ton futur glorieux. Je fais renaître l'espoir dans ton cœur. J'enlève le découragement. Les mauvaises nouvelles qu'on t'a données. Les deadlines. On t'a dit que dans quelques... Que si tu n'as pas d'ici tel jour, on va faire comme ça. Toute date limite, toute date butoir qu'on t'a donnée. Si c'est demain ou si c'est cette nuit à minuit. Je viens étendre cette date premièrement. Et j'annule tout verdict qui va s'appliquer à cette date. Tout verdict maléfique qui ne sera pas en ta faveur. Toute liste noire sur laquelle on a mis ton nom. Il y a un qui a fait le témoignage l'autre jour qu'on devait on a eu la lettre pour qu'elle sorte de l'appartement où elle était. Elle devait sortir depuis le 18 février, quelque chose comme ça. Quand elle me contacte, elle me dit vraiment, voilà, je dois être honnête avec toi. On me dit de sortir pour la troisième fois, je dois sortir vendredi. Elle a reçu le kit ou quoi? Je lui ai demandé deux, trois choses à faire. Elle m'a rencontré sur TikTok comme ça quand je faisais le direct. Avec trois enfants. Elle a commencé à faire ses bains, faire tout ça là. Même avant que mes produits n'arrivent. Le jour où mes produits arrivent, deux jours plus tard, elle me dit, tu m'as envoyé la lettre. On a enlevé la... On ne me chasse plus. Deuxièmement, elle a trouvé du boulot. Tout ça. Quand elle priait précisément pour qu'on ne la chasse pas de la maison. Mais elle se retrouve, elle a trouvé le boulot. Donc elle pourra maintenant payer le loyer. Deuxièmement, elle est logée en fait. J'enlève tout sentiment de désespoir que vous ressentez.
piège dans lequel toi-même tu es parti te mettre sans savoir. Je suis comme ça depuis au moins 3 mois. Si tu ne me vois pas repos, c'est que tu n'étais pas là depuis bail. Tout piège dans lequel tu t'es retrouvé, consciemment ou inconsciemment, je te sors de là. Bataille que tu subis dans les rêves. Depuis que tu as commencé à jeûner, tu as commencé à te laver avec le sel, c'est grave. Bataille sur bataille. Tu as l'impression que tu fais quelque chose de mauvais. Je te sors de ces trous. Je te sors de ces batailles. De là que l'ange Michael vient te sauver. La Bible dit, when the enemy came like a flood. Donc quand l'ennemi est venu comme une inondation, le Seigneur t'a soulevé. Je vous soulève. Psaume 91. Ces anges vont te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Toute pierre qu'on avait prévue que ton pied allait heurter. Je te libère de cette pierre au nom de Jésus. Je commande aux anges de te porter, de te soulever. Quand cette cloche va sonner, je te délivre de tout piège dans lequel on t'avait mis. Tout plafond financier que tu ne peux pas dépasser depuis. Toute maison de laquelle tu ne peux pas déménager depuis. Tu te sens bloqué dans cette maison. Quand je sonne cette cloche-ci-là, j'ouvre tes portes et je te commande de sortir. Je vous délivre de l'ennui. Je déclare que ton esprit est concentré sur tes projets. Reçois la capacité de te concentrer pour accomplir le travail que le Seigneur a prévu pour toi. Reçois la capacité de te concentrer. La capacité de faire ce que tu es censé faire. Je chasse les distractions. Je déclare que tu ne seras plus distraite. Oui, on expédie au Canada. Mais c'est mieux que tu prennes un kit parce que le kit contient le sel et ça contient d'autres choses. Ok, vous allez inspirer avec moi. Vous avez suivi. Je sens une boule dans votre cœur qui doit sortir. Je sens une boule. Donc je vais vous guider, vous allez inspirer, ça va sortir. Allez, on inspire ensemble, inspirez. Remplissez votre cœur de la bonté, de la grâce et de la paix. Et on expire par la bouche. Expirez. Voyez comme des petites bulles de peur qui sortent de votre bouche. Peur, découragement, inquiétude. Inspirez encore. Mettez la main sur la poitrine. Inspirez. Seigneur, je viens libérer tes enfants de toute main maléfique sur leur poitrine. Que ce soit en toussant, en crachant ou en vomissant. Je déclare que toute main maléfique sur votre poitrine est enlevée. Expirez. Expirez.
tout poids, tout fardeau, tout mauvais esprit, tout démon qu'on a mis dans votre thorax, dans votre trachée, dans vos poumons, je leur commande de sortir, de libérer. Libérez votre estomac. Je viens contre le mal d'estomac. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Inspirez à nouveau. Je viens mettre la paix, la joie, l'amour, l'harmonie dans votre cœur. Je vous remplis de joie. 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 Je viens mettre la joie dans votre cœur. Au nom de Jésus. J'enlève toute main maléfique sur votre poitrine. Tout pied maléfique sur votre poitrine. Expirez, expirez. Ne vous posez pas des questions qui n'ont pas de sens. Vous avez suivi. Moi, je ne vous réponds pas. Je suis en train de prier pour vous. Tu me demandes si la prière à minuit. Si la prière ne t'intéresse pas, tu quittes mon direct. Tu as compris, ma chérie? Et je vous informe que je bloque les gens. Moi, ils bloquent moi. Seigneur, je te confie chaque personne qui se connecte à ma prière. Je demande que la Vierge Marie puisse vous envelopper de ses ailes-là maintenant. Qu'elle vous couvre de sa lumière blanche. Alléluia. Alléluia. En train d'être délivré. Et on vous a donné le poison de nuit. On vous a donné les choses dans la nuit de manger. C'est dans votre estomac, dans votre trachée, dans votre oesophage. C'est en train de sortir. Maman Marie, que tu nous protèges, que tu nous couvres. Je vous libère de toute injustice. Je viens aiguiser vos oreilles pour que vous écoutiez la voix de Dieu. J'active vos dons. Beaucoup d'entre vous, vous êtes appelés. Mais vous êtes bloqués. Vous êtes appelés, mais vous êtes bloqués. Je libère vos dons. De la même façon que le Seigneur m'a envoyé, je vous libère et je vous envoie. Que vous trouviez, vous créez un chemin. Que vous créez un chemin. Que le Seigneur vous montre le chemin. Que là où il n'y avait pas de chemin, le chemin soit créé. Je vois quelqu'un qui a une situation qui était sans issue. Depuis 2 mois, tu réfléchis, tu ne sais pas comment tu vas faire. Cette nuit, on te montre la solution dans ton rêve. Tu vois une autre personne, tu rêves souvent que tu es dans une maison familiale, tu es bloqué, tu cours, tu ne trouves pas le chemin. Cette nuit, je déclare qu'on te montre la sortie. Et comme tu sors de ce trou, tu ne retourneras plus jamais. Je vous sors des trous familiaux. Je vous sors des trous familiaux. Je vous guéris. I healed you from family predicaments. Je vous guéris des malédictions familiales. Je déclare que votre esprit va chercher ce qui est bénéfique pour vous. J'enlève le goût des mauvais trucs de votre cœur. La boisson, la cigarette, le sexe. Vous passez le temps, vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous trouvez toujours en train de
Je vous guéris de cela. Je vous sors de toute addiction. Je vous libère de toute addiction sexuelle au nom puissant de Jésus. Tout canal par lequel votre énergie est vidée. Tu te lèves le matin, tu dis que je vais faire ça, j'ai l'énergie. Oui, oui, je vais faire. Tout mari de nuit qui vient sucer ton énergie dans la nuit. Toute femme de nuit qui vient prendre ta semence dans la nuit, tu te réveilles le matin, tu te dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je ferme la porte. Il faut mettre du sel, acheter le sel gros grain, vous mettez sur votre fenêtre. Quand tu dis, on sait que certains vont faire, d'autres vont pas faire. Versez le sel sur la fenêtre. Si vous avez l'huile d'olive qui est venue dans mes kits là, vous prenez ça, vous faites le signe de croix sur les ouvertures, portes et fenêtres. Je ferme les portes d'entrée. Dans votre maison, les portes d'entrée à votre corps pour les esprits maléfiques qui viennent prendre votre énergie la nuit. Toute personne qui force pour vous donner la nourriture la nuit, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, premièrement, vous vomissez toute cette nourriture. Si vous avez le thé de désenvoûtement, qui ça? Je sais que vous m'écoutez, vous n'achetez pas mes produits, n'achetez pas, c'est votre problème. Il y a dans les kits, il y a la poudre qu'on boit là. Si vous en avez encore, prenez ça, vous faites bouillir, peut-être les deux prochains jours, vous buvez. Et avant de boire, vous déclarez que toute nourriture qu'on m'a donnée, il y a ça, il y a aussi la poudre anti-poison, il y a la poudre jaune qui vient souvent dans les kits là. Il y a une jaune, il y a une noire, il y a une anti-poison. Donc, quelle que soit celle des poudres là que vous avez encore, vous léchez ça demain et après-demain. Je libère votre corps de tout poison mystique qu'on a déposé, toute nourriture qu'on vous a donnée dans le rêve. Au nom de Jésus. Tout poison lent qu'on a déposé dans votre corps, qui vous finit à petit feu. Chaque semaine, tu pars chez le docteur, on dit telle chose se détériore, telle chose se détériore. Je viens inverser le processus et je reconstitue votre corps. Je restaure votre vigueur. Quand on vieillit, on devient plus fort. Parce que ton esprit se fortifie. Et c'est l'esprit qui donne la vie au corps. Laissez-moi les choses qu'on dit que c'est quand tu vieillis que ton... Moi, maintenant, et moi, quand j'avais 20 ans, moi, je me préfère maintenant. Quand j'avais 20 ans, j'abandonnais trop. Tu me fais un petit truc comme ça, je laisse, je pars, je puis, je pleure, je fais... Moi, maintenant, là. Moi, là. No, never. Tu me tentes. Pastis Choco, est-ce qu'on lèche le thé? Tu lèches et tu bois le thé. Non, j'ai dit demain vous buvez le thé. Léchez aujourd'hui, demain vous buvez le thé. Tu as compris? Voilà. Vous léchez ça aujourd'hui, demain vous buvez le thé. On se fortifie avec le temps. Je déclare que votre corps va se fortifier avec les années. Tout processus mental qui a touché votre santé, qui fait que vous-même là vous parlez pour dénigrer votre corps. Oh, mes genoux ne sont plus comme c'était avant. Oh, mais je déclare que j'annule toute maladie, tout rhumatisme, tout mal d'estomac, tout mal de tête. Les migraines que vous êtes étiquetées migraineuses. Tout mal de dos. Mettez la main sur le dos là. Tout mal de dos, tout boulot que tu es parti faire, ça a cassé ton dos. Très bien, ok, assistant. Hi, Jesus. Tu changes la couche des vieux dans la nuit comme ça. Le matin, tu sens. Tu as 25 ans, ton dos te fait mal, mon frère. Tout travail que tu es parti faire, ça a abîmé ton dos. Et là, tu penses que c'est fini pour toi. Même si tu es parti pour accoucher, on t'a fait les épidurales. Ou c'est les péridurales, c'est les épidurales. Ça a abîmé, bousillé ton dos. Je restaure vos dos aujourd'hui. Je restaure les os, les ligaments, les muscles. Votre moelle épinière du dos. Votre colonne vertébrale. Je commande sa restauration. Cette nuit, quand vous dormez, votre ange vient, il opère. Il remplace tout ligament, tout muscle, tout tissu, tout os qui est abîmé dans votre dos. Au nom de Jésus. Et votre cou, je vois le haut du cou, le cou. Comme ça. Je chasse les douleurs de votre cou.
Je chasse les douleurs de votre cou. Tous ces pans qui se retrouvent, tantôt c'est ici, tantôt c'est là-bas, tantôt c'est comme ça. L'huile de blindage là, appliquez l'huile de blindage sur votre cou cette nuit avant de dormir. L'huile de blindage que vous avez, je sais que c'était très petit, je sais que les gens s'en fichent, mais l'huile de blindage ne se met pas beaucoup normalement. Et dans les instructions, quand je vous ai donné, il dit toujours que tu prends la moitié, tu mets dans l'huile. L'autre moitié, tu peux en avoir besoin. Parfois, tu mets sur la moitié de tête, tu mets sur la tête. Les enfants qui ont souvent la teigne, les trucs bizarres sur la tête là, tu mets ça. Parce que souvent, quand on bloque l'intelligence de quelqu'un, on lui met des sortes de chenilles spirituelles sur la tête. Ce qui fait que ça fait une barrière, ça fait des migraines. Donc, si vous avez l'huile là, mettez ça sur le cou ce soir. Vous mettez ça sur le cou. Voilà. Tout esprit mauvais qui bloque votre école. Tu es là comme ça, tu sais que tu as un examen que tu dois passer bientôt, mais la tête haute. Tu n'arrives pas à te concentrer pour étudier. Tu n'arrives pas à te concentrer pour étudier. Je chasse les migraines. Je chasse la distraction. Parce que ce que l'ennemi fait aussi, c'est que il va te faire, tu n'auras pas. Tu vas aller regarder la vidéo, tu vas regarder un film 2 heures de temps. 2 heures de temps sur le film. Ouh, je mets l'abondance sur vous. Oh là là, j'ai ma bougie ici là qui se verse en abondance. Oh my God. Je mets l'abondance sur vous. Overflow. Overflow. Que votre compte bancaire déborde cette nuit. Voilà le premier qui arrivera demain là, non? Que l'argent apparaisse dans votre corps, dans votre compte bancaire. Bam! Au nom de Jésus. Que l'argent apparaisse dans votre compte bancaire cette nuit au nom de Jésus. Virement, préparez-vous. Que les systèmes fassent l'erreur, on vous envoie l'argent. Argent qu'on ne reprendra plus jamais au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a pris ton argent, il s'est assis dessus. Je commande qu'il te relâche ton argent cette nuit au nom de Jésus. J'écrase la tête de tout serpent qui était sur vos finances. Tout serpent qui est dans ton ventre là. Il te donne les kystes, mais il vole aussi ton argent. Tu es à l'hôpital chaque jour, tu dépenses l'argent pour tes trucs médicaux. Tu dépenses l'argent pour le temps. Tu dépenses l'argent. Je te guéris. J'écrase la tête de ce serpent. Cette nuit-ci là, tu vas le voir dans le rêve. Tu vas voir où il va apparaître là, tu vas couper sa tête. Où tu vas jouer. Il va te réveiller le tuer dans ton rêve, tu vas voir. Toute concurrence, toute personne qui est en concurrence avec toi. La personne était ton ami avant. Maintenant, il veut te faire concurrence. Il va t'attaquer dans le mystique. Je retourne ses flèches. Sur lui, par 7 directions différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je retourne à l'envoyeur. Que ses propres vautours qu'il a envoyés sur toi partent le manger, l'envahir. Il n'est que la visibilité de tes produits. Je déclare la visibilité de tes produits au nom de Jésus. Je déclare que justice est faite. Justice est faite. Toute frustration que tu subissais à cause de ton entourage. Parce que tu as choisi de faire une certaine profession et ils voient, ils se moquent de toi. Je mets sur toi la force, le courage. Tu seras le premier milliardaire de ta famille. Déclare que toi, tu seras le premier milliardaire de ta famille. Au nom de Jésus. Je mets la force en toi. Resilience, c'est-à-dire, tu n'abandonnes pas.
Je mets en toi la force pour travailler sans te fatiguer. Je mets en toi la force, tu travailles sans te fatiguer. Et quand tu travailles, on te voit. J'ouvre ta visibilité. Toute personne qui allait mal parler de toi, qui allait t'afficher sur les réseaux sociaux pour qu'on ne te connaisse plus. Tout client qui allait dans ton groupe que tu as créé pour te mal parler de toi, ça m'est arrivé une fois. Toute personne à qui tu as fait confiance, qui est venue mal parler de toi pour gâter ton réseau, j'entre dans le cœur de chaque personne maintenant et je te restaure. J'appelle même encore d'autres personnes. J'élargis encore ce réseau au nom de Jésus. Tu avais 50 personnes, tu auras maintenant 100 000 personnes au nom de Jésus. Les gens sont méchants. Hein? Quelqu'un vient dans ta tontine comme ça, là, elle gâte ta tontine. Une femme a fait ça une fois, non? Aïe, aïe, aïe. J'avais arrêté de faire la tontine. J'avais arrêté, alors que ça a aidé les gens. Personne qui est venue gâter ton réseau, réseau de clientes, réseau de partenaires, je viens restaurer ton nom dans le cœur de ces partenaires et je viens élargir ce réseau encore plus au nom de Jésus. Il y en a parmi vous que vous êtes censé prospérer en connectant les gens, ce qui fait qu'on attaque beaucoup votre image. Toute personne qui a jalousé ton image, qui a utilisé ton image pour te faire du mal, je viens te restaurer. Amen. Nous déclarons que ta soeur va accoucher dans de bonnes conditions. Au nom de Jésus. Cet accouchement se passera sans souci, rapidement. Et l'enfant sera en santé. Amen. J'enlève la peur. J'enlève la panique de votre esprit. De là où on ne te voyait pas, on commence à te voir. Là, on t'avait caché. Je viens t'ouvrir les portes. Je t'expose au nom de Jésus. J'enlève l'inquiétude sur vous, les femmes enceintes. Votre accouchement se passera sans souci. Je suis en train de prier depuis 30 minutes. Tu m'as dit que j'ai prié pour toi. Je ne prie pas pour toi. Tu as compris? Comme ce que je suis en train de dire depuis là, c'est rien. Mais ne fais pas. Je suis en train de manger ma bouche depuis. Arrêtez aussi. Tu vois, 100 personnes sont connectées. C'est là, tu crois que tu es la seule. Donc depuis qu'elle parle, je suis en train de manger ma bouche. Est-ce que vous ne connaissez pas saisir ce que le Seigneur est en train de faire? J'ai parlé, c'est la parler, le Seigneur me montre des choses. Toi, t'as parlé, forcément, qu'on parle, on prie pour toi. C'est ça que vous faites, vous subir la maladie reste sur vous.
Si vous venez d'arriver sur ma page, abonnez-vous. Mais en avant, vous vous abonnez, en tout cas, sachez que je ne suis pas dans les affaires de... Je ne suis pas dans la page où on fait les pleurs là. On ne pleure pas ici. On ne pleure pas, on ne supplie pas. Vous commandez, tu commandes et tu apprends. J'enseigne avec la parole, ce soir je n'enseigne pas. J'enseigne, je t'enseigne, tu apprends toi-même comment te libérer. Donc si tu viens, tu veux t'abonner en croyant que tu vas venir pleurer ici, si chaque jour je vais te... Non, je ne suis pas dedans. Tu es tombé sur la mauvaise personne. Voilà. Je vous enlève la paresse spirituelle. Parfois, tu vois quelqu'un du mal que tu ne fais pas ça pourquoi. Tu ne fais pas ça pourquoi. Il te dit, ah, je connais que je dois faire, mais recevez la capacité de faire ce qui va vous aider. La Bible dit que la sagesse, selon la Bible, la sagesse, c'est la capacité de connaître ce que tu dois faire et de faire la chose. Donc je sais que je dois faire ça pour avancer. Et je fais. Donc, il ne faut pas seulement connaître. Parce que parfois, vous connaissez. Quand on te dit un petit, tu dis, je connais déjà, non, je connais. Non, il ne faut pas seulement connaître. Il faut faire. Donc, je libère sur vous la capacité d'obéir. De faire ce qui est bien pour votre avancement. Au nom de Jésus. Je vous bénis. Je vous bénis. Que vous soyez comme les 10 vierges qui ont pris la lampe et elles ont pris de l'huile pour leur lampe. Que le Seigneur vous donne la capacité d'être prévoyant. Je déclare que tu ne vas plus commencer quelque chose que tu vas laisser. Quelque chose qui était censé t'aider. Je déclare qu'on ne va plus te décourager ou bien te faire un petit truc, tu vas abandonner, tu vas partir. Je mets en toi la persévérance. La persévérance, tu arrives jusqu'au bout. La détermination. Que tu parles comme ça, tu dis que, ah, elle ne voit pas que c'est impossible. Pourquoi elle parle comme ça? Je mets en toi la détermination. Que tu ne te fatigues pas. Je déclare que tu vas arriver jusqu'au bout de ce que tu as vu. Je déclare que tu ne vas pas faire marche arrière. Tu ne feras pas volte-face. Tu ne changeras pas d'avis en route. Jésus a dit, qui met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de recevoir le royaume. Je mets en vous la détermination non influençable. Je clarifie votre vision. Je dis, vous savez, quand on demande aux gens de payer, quand les gens payent, je leur dis, écris ce que tu veux. Les personnes font genre, ouais. Est-ce que je suis obligé d'écrire? Il y a des gens qui viennent souvent à ma cape, quand tu viens, tu me trouves. Si tu n'écris pas les intentions pour ta dîme, je ne prends pas ta dîme, je te chasse avec. Je ne dis pas. Comme tu penses que ton langage, tu ne pas avec. Tu viens te dire, tu t'assois, tu écris. Quand elle finit, après, elle dit, ah, c'est bien, hein. Et puis voilà. Il y en a parmi vous, vous avez appris à savoir ce que vous voulez. Imagine que chaque matin, quand tu fais ton lavage, tu demandes. Tu parles en don, tu manges, tu demandes. Tu fais ça 30 jours d'affilée.
Tu marches un jour en route comme ça avec quelqu'un, la personne dit, oh, tu ne peux pas voir ça. Tu dis, non, je vais voir, je vais voir. Parce que tu es déjà habitué, tu es déjà, tu sais déjà que c'est pour toi. Chaque matin, chaque soir, je vois ça dans mon esprit. Comment tu peux me dire que ce n'est pas pour moi? Parce que vous n'êtes pas fidèle dans ce que vous faites. Vous pensez que vous faites ça pour moi. Ce n'est pas pour moi. Voilà, je suis rentré dans le mode de gronder maintenant. Je vous laisse, je ne gronde plus, laissez-moi. Ça va. Un mois, vous êtes là, vous partez, vous faites deux mois, vous revenez encore. Vous revenez comme les petits espions. Tes choses vont avancer quand toi-même tu vas te décider sur tes choses. Quand toi-même tu vas te décider que le tout cela, on monte, on descend, je fais mon lavage. On monte, on descend, je paye ma dîme. On ne paye pas la dîme en fonction des humeurs. Quand tout va bien, ah mais je n'ai pas besoin de payer ma dîme, je ne prie plus. Je ne me lave plus au sel depuis deux mois. Ma chérie, ne te dérange pas. Dans une semaine, là, tu vas commencer à voir les problèmes sur toi. Tu reviens en pleurant. Je dis que tu as arrêté d'abord, pourquoi? Et quand quelqu'un vient me dire, oh, je veux la consultation, je dis, lave-toi d'abord avec le sel. Tu ne te laves avec le sel, laisse. Oh non, pourquoi? Ouais, ok. Je vais alors faire ça combien de temps? Il dit, ça devient en vie. Tu commences à découvrir, ça casse le moral de la personne. Donc tu me dis que de maintenant jusqu'à ce que je meure, je vais me laver avec le sel. Ça commence à tuer son moral une fois. Tu es censé te laver de maintenant jusqu'à mourir. Est-ce qu'il y a un jour que tu vas te laver? Ce que tu vas sentir, non? Ne brosse pas l'autre dent. Et pourquoi ça te dérange autant? Tu vas te laver au savon jusqu'à ce que tu meurs. Tu vas brosser les dents jusqu'à ce que tu meurs. Lave-toi au sel jusqu'à ce que tu meurs. Tout simple. Vous aimez osciller. Vous êtes comme les vagues emportées par le vent. Tu tournes un côté, tu tournes comme ça, tu tournes comme ça. Soyez ferme. Soyez rigoureux. Recevez la rigueur dans ce que vous faites. Je vous libère de l'emprise de l'ennemi sur vous. Les mauvaises pensées. Parfois, tu viens, tu tombes sur un truc, tu commences à faire ça, t'aide. Un mois, deux mois. Un jour, tu tombes sur un enseignement qui est contraire à ce qui t'aidait déjà. Ça vient mettre le doute dans ton esprit. Te voilà maintenant. Le lendemain, tu prends le sel, tu dis, ah, est-ce que le sel, ça va m'accommoder? Tu laisses. Alors que tu étais à trois jours d'une percée financière que tu attendais depuis. L'ennemi est très malin. L'ennemi est très malin. Parfois, quand je reste et vois ma détermination sur l'affaire, je dis que c'est la grâce de Dieu. Je crois que j'étais déjà arrivé à un moment de ma vie où j'avais abandonné trop de choses. Comme la dîme. La dernière fois où j'ai repris la dîme et j'ai dit à Dieu que c'est bon, c'était en janvier 2021. J'avais tellement fait des va-et-vient. Pendant trois mois, j'ai arrêté de payer ma dîme. J'étais fâché avec Dieu. Je venais de perdre tout mon argent. On m'avait scroqué, nanana. Maman, les trois mois là, c'était la galère totale. Le mois de janvier, qui est la fin du troisième mois, j'ai dit non, Seigneur. Je commence à payer ma dîme à partir de cette semaine. Et c'est comme ça que de janvier, je vois que mes finances commencent à monter. Je dis que Seigneur, c'est bon.
Je ne veux plus que ce... Excuse-moi, Soso. Quand tu es encore au début de cette chose-ci-là, tu dois faire attention parce que l'ennemi vient toujours sous forme de pensées. Les forteresses mentales, ce sont des pensées. Des systèmes de pensées. Parfois, tu fais ton sel, tu as une amie qui vient te visiter, elle passe 2 jours chez toi. Elle vient dans ta douche, elle voit le sel. Tu te laves avec le sel. Elle fait un petit commentaire. Le lendemain, tu prends le sel, tu jettes. Voilà comme ça que toi-même, tu as... C'est bon, hein, c'est fini. Fais très attention. Après, tes problèmes recommencent. Tu passes encore 6 mois de problèmes jusqu'à tu ne comprends pas. Il faut encore la grâce de Dieu pour que tu tombes encore sur un enseignement qui te remet encore la foi du lavage au sel. Pour que tu te dises que, ah, tu ne peux pas encore acheter le sel que tu avais jeté toi-même. Je peux vous dire comme ça parce que moi, c'est les trucs que j'ai fait. Il y a des choses que j'ai fait après, j'ai changé d'avis. Et quand j'ai changé d'avis comme ça, là, c'est la grâce de Dieu qui m'a refait encore revenir. Ne blaguez pas, vous êtes dans une bataille spirituelle. Vous êtes dans un champ de bataille. Et la plus pire des choses qui puissent t'arriver, c'est que tu sois dans un champ de bataille, tu ne connais même pas. Tu peux prendre les balles perdues. On tire, piou, 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 piou. D'autres personnes ont le fusil, d'autres ont les boucliers. Toi, tu n'as rien. Tu n'as pas le bouclier, tu n'as pas le fusil, tu n'as pas l'épée, tu n'as rien. Tu marches comme ça là. Ça, c'est sûr que tu vas te prendre une balle. Soyez décisif. Soyez ferme. Ce n'est même pas n'importe qui a accès à tes choses. Et quand vous voulez sauver tout le monde là. Vous voulez sauver tout le monde, vous voulez aller dire à tout le monde, laissez-les. Parfois, tu peux dire à quelqu'un, il connaît même ça depuis 5 ans. Il ne t'a pas dit. L'être humain est. Il y a quelqu'un ici là que tu as peur. Peut-être pour une situation, peut-être pour un accouchement, peut-être pour un crédit que tu as demandé. Tu as demandé la première fois, on a refusé. Le Seigneur me dit, je t'ai dit que la deuxième fois ne se passera pas comme la première. La première fois, tu ne connaissais pas ce que tu connais aujourd'hui. Tu n'étais pas couronné, tu n'étais pas une reine. Tu ne faisais pas tout ce que tu fais. Donc ton statut spirituel a changé. Même l'enfant que tu portes ou que tu vas porter ou qu'une femme va porter pour toi. Le sperme qui est dans ton corps n'est plus le même sperme qu'il y a déjà 5 ans ou 10 ans. Parce que ton ADN a évolué. Ton ADN s'est empowered, est devenu puissante. Donc, tout ce qui sort de toi, que ce soit des projets, que ce soit des désirs, que ce soit les je sais pas, c'est différent. Ce n'est plus le toi il y a cela 2 ans. Voilà. C'est pour ça que tu ne dois pas te fier à ce que les gens disent. Ne te fie plus à ce que les gens disent. Ta confiance ne doit pas venir des paroles des gens. Arrête de demander l'avis des gens. Tu en penses quoi? Tu penses que je devrais faire comment? Arrête. C'est le toi d'avant qui demandait. Aujourd'hui, tu ne demandes pas. Tu vois ce que ton cœur te dit. Ce que ton cœur te dit, tu peux pas faire. Tu as suivi, non? Donc, enlève l'inquiétude. Enlève les inquiétudes là. Toi, il y a 5 ans, tu faisais, tu échouais, tu partais, tu te cachais 6 mois. Tout ce qui est dans ton ventre va sortir. Laissez pas là me connaître.
Un jeté, on te fait le direct comme ça, là. On faisait le lavage au jour, là. Demain, il y a lavage. Donc, ceux qui n'ont pas payé, ceux qui ont payé le lavage, à distance, on va vous envoyer les vidéos demain soir. Donc, on a fait une fois le lavage en direct. Parfois, quand ça vous plaît, je fais la vidéo, je mets sur Facebook. Donc, je parle. Les gens écoutent comme ça, là, sur Facebook. Après, il y a un démon dans le ventre d'une femme, là, qui fait que... J'espère que je pourrai retrouver son audio un jour. Elle me fait le message. Le démon fait, elle prend le téléphone. Elle met le voice. Elle met le voice. Elle fait le voice. Elle dit que le serpent qui est dans son ventre parlait. Que je suis le serpent. C'était comme le film. Je crois que j'ai fait un autre direct où je vous ai fait écouter le voice. Que je suis le serpent qui est dans le ventre de la femme si. Je dois trouver l'audio là, je vais chercher. Le serpent là parle, et quand il parlait, la voix de la femme était différente. Que c'est moi qui la bloque depuis, je bloque son argent. Il met la maladie dans son corps. Que son orphelinat qu'elle veut aller faire depuis là, je ne sais pas si y en a ici qui se rappelle du jour là. Que son orphelinat qu'elle veut aller faire au pays depuis là, c'est moi qui la bloque. Après il dit que pourquoi tu délivres les gens. Le serpent qu'elle a son ventre là, c'est ce qu'il dit. Que moi pourquoi je délivre les gens. Arrête, ne me tue pas. Quand j'ai écouté le voice, la personne dit que, Seigneur. Ils me connaissent, vos serpents là me connaissent, on se connaît. Donc, comme vous voyez souvent dans vos rêves, vous savez que vous me simplifiez, ça ne me dérange pas. Vous me simplifiez, ça ne me dérange pas. Tout ma part, c'est que les esprits là me connaissent. S'ils me connaissent, déjà ça va. Vous là au milieu, je m'en fous de vous. Parce que je sais que généralement, vos ancêtres vont vous pousser. Certains d'entre vous, tu dois voir ta grand-mère dans le rêve d'abord. Elle vient te dire que va voir la femme là avant que tu aies me voir. Parce que quand tu me regardes comme ça, là, je n'ai pas le make-up, je n'ai pas ceci. Ça ne me dérange pas. Voilà. Eh bien, je crois que Ezim était là le jour là. Que pourquoi tu veux la délivrer? Qu'elle doit être riche. Tu avais peur en écoutant l'audio. On n'a pas peur des démons. Je n'ai pas peur de. Non, quand j'ai écouté le tout le jour là, j'ai dit maman. Souvent Dieu permet que je vois deux, trois trucs comme ça. Juste ça. Mais même quand il fait ma chose, je connais. Quand je fais mes choses, je connais moi. Je connais. Je ne doute pas de ce qu'il fait. Quand on me parle, je connais. Quand on me dit que prends ceci, tu mets sur Facebook, je mets, je connais ce que je fais. Donc vos entités là, vos démons là, ils me connaissent, on se connaît bien. Je dis avec eux, je ne blague pas. Je tranche la tête. Et vous serez délivrés. Je déclare, vous allez être délivrés. Il dit que demain, là, vous allez voir, non, cette nuit, vous allez voir dans vos rêves. Je ne blague pas. On sort de trois jours de jeûne. C'était le combat. Ça, c'est le troisième jour. Voilà, le troisième jour. Voilà la pluie qui est en train de tomber. Ça, c'est pour couronner ce qu'on a fait comme travail spirituel. Voilà la pluie qui est en train de déclencher ici, dehors. Dieu ne m'a pas envoyé. Je suis pas ici là pour faire le. Regardez-moi comme je suis là. Je dois être en train de dormir normalement. Mais me voici, ça a été fait le direct. Parce que pour moi, c'est devenu comme une mission. C'est un boulot que je dois faire. Le Seigneur a dit que la moisson est abondante. La moisson est abondante. Il y a très peu de personnes qui veulent s'engager pour faire. Très peu. Donc je déclare votre libération totale au nom de Jésus. Tout esprit de lourdeur qu'il y a dans votre corps. Souvent, tu vas te lever à 4 heures. Tu te retrouves à 6 heures, c'est à 6 heures que je te refais. Je te libère de cela. Je vois aussi l'indigestion. Tout mauvais esprit dans ton corps qui te fait avoir l'indigestion alimentaire. Et ça te gêne beaucoup. Parfois, tu peux manger quelque chose à 6 heures, à 14 heures, c'est encore dans ton ventre. Ça te dérange, ça t'embête beaucoup. Ça te fait des remontées acides, des trucs bizarres. Je déclare la guérison sur toi. Au nom de Jésus. Demain, le lavage que je fais demain, là, ce sera seulement le feu. Ce sera le feu. Le feu. Toute
personne dans votre entourage qui ne veut pas que vous avanciez, toute personne qui est envoyée pour vous bloquer, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes libéré totalement au nom de Jésus. Tout esprit qu'on a envoyé pour que, pour faire que je vois quelqu'un que tu étais dans un endroit, tu étais bien. Tu avançais déjà vers ta libération. Tu avançais donc, tu étais bien. L'esprit là vient, il te fait, toi-même tu sors de ta bénédiction. Vous savez que ça arrive, non? Tu es dans un endroit où tu es protégé. L'ensemble de la maison là te protège d'abord. Tu es protégé, tu es nourri, tu as l'argent qui entre. Un jour tu te lèves, tu commences à dire que ah, j'ai même quoi dans cette maison. Tu gâtes encore toi-même le tout. Tout esprit en toi qui fait que tu sortes de tes bénédictions à chaque fois. Je commande à cet esprit de sortir, de te libérer. Que tu saches saisir tout ce qui te revient entièrement et totalement au nom de Jésus. Tout mariage qui a été abîmé à cause de l'effet des forces extérieures maléfiques. Tu es bien, après toi, tu te lèves, tu gardes tout ton foyer, tu gardes tout. Tout. Tu gardes ta relation. Tu chasses ton gars, tu le gifles. Il y a une ici là que tu vas rire, tu le gifles, n'est-ce pas? Une m'a écrit autre chose, qu'elle a giflé son gars. Ma chérie, ce n'est pas seulement toi, ça n'arrive pas seulement à toi. Tu as compris? Je vous libère de tout esprit générationnel qui fait que vous voulez gâter ou détruire ce qui va faire votre bien. Raymond, tu ris. Hein? Ouais. Je n'ai pas moi indexé quelqu'un. J'ai 100 personnes connectées. Si quelqu'un se reconnaît, je n'ai pas moi indexé quelqu'un. Ouais, Seigneur. Tout esprit qui est là pour te contrôler, qui est là pour te perturber. Je sens plutôt la perturbation. Genre, tu es en train d'avancer vers une bonne route. Après, ça vient en route, pap, ça fait une sorte d'interruption. Bon, un peu comme un cheval qui court, voilà. Un cheval qui court. Il est en train de partir dans une direction, il part, il part. Et directement, on interrompt. Ça fait, il panique. Voilà. J'enlève toute panique de votre esprit, de votre vision. Parfois, tu avais un homme comme ça, vous avez vos projets. On a fait des femmes qui brutalisent leurs hommes là. Oh, Colo. A fait les femmes qui brutalisent leurs hommes là. Une autre m'a dit l'autre jour que j'ai failli insulter mon mari. Je ne l'ai jamais insulté depuis qu'on est marié. Donc c'était la même période. J'ai eu deux ou trois femmes qui m'ont envoyé ce message là. Donc je vous sors de toute violence mentale, tout esprit qui veut vous influencer pour que vous gâtez ce que vous-même vous avez construit. Je vous guéris. Ouais, Seigneur, au nom de Jésus, amen. Je déclare que vous serez, je ressens l'envie de vous lire le psaume. Je vais vous lire le proverbe 31. Je crois que c'est quelque chose qui va entrer sur vous aujourd'hui. Yolande, vous riez. Riez seulement, ne dites rien. Ne faites pas comme c'était vous. Auguille. Riez seulement, ne faites pas comme c'était vous. Je viens pas dire que c'était vous. Toutes les femmes qui rient là, c'est vous. Vous savez que c'est vous. Ouais. Attendez, j'ai chaud ma peau. Ouais, qu'est-ce, comment vous voulez tous tomber? Ouais. Attendez, proverbe 31. Me l'a dit même toi. Toutes les femmes qui rient là, elles savent que c'est vous. Donc si tu ris, elles savent que c'est toi. Tisha. Hey. Vous allez vous démasquer seul là. Flore, même toi, hein? J'espère que vos maris ne sont pas à côté de vous.
Ils m'ont dit que la femme s'y connaît. Randy, toute personne qui rit, c'est que tu es parmi. Les autres vont rire, ils ne vont pas commenter. Vous fuyez les commentaires, ne commentez pas. Amel, tu es dedans. Papa, vous êtes grave. Tu es dedans. Il te met dans le tas. Voilà. Tisha, même toi, tu te mets dedans, Tisha. Bon, on va lire le proverbe 31. Ange, même toi, hein? D'accord. Seigneur, je bénis ta parole. Je demande la lucidité, je demande la révélation. Je demande aussi qu'une impartation se fasse. Là, Monique, même toi. Pardon, laissez-moi comme ça. Seigneur, qu'une impartation de grâce et de sagesse soit faite. Je vois des femmes qui seront admirées pour leur capacité de construction et non de destruction. Des femmes qui vont résister à l'impulsion. Écoutez très bien. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ici, femme, homme, on va laisser. On va laisser. Je ne veux pas qu'il y ait un contexte féminin ou masculin ici. Ok? Ne livre pas ta vigueur. C'est-à-dire qu'il y a une force en toi que tu peux... Si tu ne fais pas attention, tu vas aller donner ces mots aux gens comme ça. Là. Ni au prince... Attends. Proverbe 31, verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Donc cette mère explique à son enfant que si tu sais que tu es un roi, tu ne peux pas donner ta vigueur à n'importe qui. Si tu sais que tu es une reine, tu ne peux pas le donner à n'importe qui. Tu ne couches pas avec n'importe qui, tu ne traînes pas avec n'importe qui. C'est ta vigueur, c'est ton essence. Ce n'est point au roi, Lemuel. Ce n'est point au roi de boire du vin, même le vin. Je vous libère de tout esprit d'alcoolisme. Je vous libère. Souvent qu'on a un petit verre, ça va. Je vous libère de tout ce qui va vous enivrer au point où vous allez oublier ce que vous êtes censé faire. Et il y a... avant, j'étais très ferme avec l'alcool. J'ai eu une période en 2022 où j'ai un peu bu. Il y a des mafos qui sont arrivés à commencer à faire... je crois pendant peut-être un ou deux mois. La mafo là, je travaille avec elle. Et elle me disait, tu sais, les mois, faut boire, hein. Les mois, faut boire, hein. J'ai commencé à boire la chill, la période là, jusqu'à... C'est vrai que chill, c'est 2%. Et... je sais pas, c'était... Quand j'ai arrêté, j'ai senti... c'était léger, mais... Ça me mettait dans un état qui n'était pas... Je sentais que je n'avais pas le contrôle parfait. Et... il y a cette analogie que j'avais suivie une fois dans un pasteur qui prêchait. Il disait, si tu es un pilote et que tu dois piloter un avion, tu sais que tu as 100 personnes, 700 personnes, 1000 personnes qui sont dans ton avion. Si quelqu'un vient te proposer même une goutte d'alcool, tu ne peux pas te permettre de boire parce que tu sais que tu as à ta responsabilité 24 sur 24 tant que l'avion est en l'air. Tu as des gens. Tu ne peux pas boire. Et ça, c'est un truc qui s'est resté dans mon esprit pendant 8 ans. Je dis toujours que le Seigneur peut me donner des révélations à tout moment. Je peux rencontrer quelqu'un qui a besoin d'aide à tout moment. Donc, j'ai besoin d'être lucide. J'ai besoin de ma lucidité parfaite. Donc, recevez la lucidité, recevez la sobriété, recevez la purification de votre âme, de l'esprit de cigarette, alcool. Et quelles que soient les personnes dans votre entourage, que ces personnes vous influencent plus dans ce sens. Au nom de Jésus. Ok, on continue. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Oh, je n'avais même pas vu ça. De peur qu'en buvant, tu n'oublies la loi.
Il y a des choses que tu fais quand tu as saoulé. Par exemple, si tu savais que le soir, je vais prier, si tu as un peu bu, tu auras tendance à dire, bon, on se relaxe. Allons un peu faire, allons, on se relaxe, tu vois. Peut-être tu vas te réveiller à une certaine heure pour prier, on se relaxe. Tu vois un peu. Donc, il dit de peur, verset 5, Proverbe 31. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Un roi a toujours des gens qui sont sous lui, qui dépendent de sa lucidité. Je voudrais bien que vous puissiez vous dire ça à la fin de cette, comme vous m'écoutez là. Sachez qu'en tant que reine, en tant que roi, il y a des gens, votre juridiction est quelque part, il y a vos gens là dehors. De la même façon que vous venez, ce que je dis, ça vous aide. Donc je suis dans ma juridiction maintenant. Le Seigneur m'a permis de connaître ce que je suis censé faire et à qui. Donc quand toi tu es reine là, il y a aussi des gens quelque part là dehors qui ont besoin de ce que tu portes. De peur qu'en vivant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Donc ce n'est pas pour toi parce que tu n'es pas en train de périr. Qu'il boive et il oublie sa pauvreté. Oh my God. Je ne sais pas pourquoi le passage juste me plaît trop. Comment d'aller ça? Qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté. Quelqu'un qui est consacré sur son argent ne peut pas boire n'importe. Non, tu bois pourquoi? My mind is on my money. C'est le pauvre qui a besoin. C'est le pauvre qui a besoin de boire. Oh non, Jocelyne. Oh my God, je suis trop forte. Moi-même, ça me plaît. Oh, pour regardez comment ça a le goût. Oui, madame, vous faites votre transfert. Je peux vous donner un numéro dans un autre pays. On va voir. Je crois que j'ai quelqu'un dans le de 226, c'est quel pays? Tu déposes l'argent sur le compte de la personne. Et puis tu envoies ta photo. Ok? Soit demain, tu vas faire un Western Union pour le lavage. Le lavage, c'est à midi. Tu fais le Western Union le matin. Tu envoies ta photo. Ceux qui ont oublié de payer leur lavage, là. Donc, on continue. Qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche. Juge avec justice et défends le malheureux de l'indigent. Et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Je pense que c'était important pour le début de ce passage qu'on mette d'abord le contexte. Toi, en tant que roi, tu as des décrets que tu dois prononcer. Quand tu commences à valoriser qui tu es, tu valorises aussi tes paroles. Tu ne dis pas n'importe quoi. Pardon. Ce qui fait que ce que tu dis commence à peser. J'aime ça. Avant de commencer, avant qu'on ne m'invite dans des plateaux pour que je fasse des préparations ou que vous ne me regardiez, j'ai commencé d'abord, j'ai traversé une période où j'ai donné du poids à ma parole, où j'ai commencé à moi-même respecter ma parole. Le lavage, c'est 33 000 quelque chose, 33 000, on dit comme ça là. 800, c'est les frais de retraite. Donc, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui font pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle ne le gifle pas. Tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Les dormeuses là. Et les dormeurs. Et elle donne la nourriture à sa maison. Et la tâche à ses servantes. Moi, je suis censé avoir beaucoup de servantes. Moi, je vous dis, moi. Il y a des trucs que j'ai vu dans la Bible depuis. J'ai dit que, gars,
Ça, c'est moi. And this is me. Et les hommes qui sont complexés, que ma femme s'occupe de moi là, que c'est moi qui dois être l'homme de la maison, allez voir la femme, si c'est elle qui s'occupe de son gars. C'est pas moi qui ai inventé. C'est dans la Bible. Vous avez suivi. Oh, Colo. Bonjour, Hélène. Elle se lève et donne les ordres aux servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Elle achète des terrains. On ne parle pas de son mari depuis. Hein? Ah. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Tu entends ça? Elle scinde de force ses reins. Elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Vous n'êtes pas censé être pauvre. Vous n'êtes pas censé être pauvre. Faut pas qu'un homme vienne te frustrer. Tu dis, bébé, elle sort, elle va m'occuper de toi. Je vais chambouler votre tête. I'm going to disrupt your thinking. C'est dans la parole, c'est pas moi qui ai inventé. Je lis seulement. Lisons, lisons vivant. Ouh, l'abondance. La bougie se verse jusqu'à. Qui lit bougie? Chaque fois que tu te verses, tu me rappelles l'abondance. Je vous donne l'abondance. Recevez l'abondance. Recevez l'abondance au nom de Jésus. Continuons à lire. La femme, c'est là. On voit, on la voit seule. On voit. Je n'ai pas moi dit quelque chose. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Ça veut dire qu'elle a même les équipes de nuit qui travaillent. Elle a sûrement une usine qui travaille même la nuit. Hein? Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main aux malheureux. Donc, elle part, elle donne même dans les orphelinats. Elle fait des dons. Mm-hmm. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car sa maison est vêtue de cramoisi. Elle fait des couvertures. Son mari n'est pas là depuis deux. Il ne fait rien. Elle est mariée. On va venir vous frustrer que tu fais trop, tu fais trop. L'homme parfois veut même te frustrer lui-même. Hmm? Continuons. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Bien habillée, hein? Son mari est considéré aux portes. C'est maintenant qu'on parle de son gars. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Voilà tout ce qu'on dit sur son mari. On reprend encore, on parle sur la femme encore. Écoutons. Elle fait des chemises et elle les vend. Hey, business woman. Ma chérie, ce n'est pas pour rien que tes idées sont... Ça fuse la nuit, tu te couches la nuit comme ça. Papa, 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 papa. Vos maris ne vous comprennent pas. Vos maris, continuons notre lecture. Et elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. C'est qu'elle, elle. Continuons. Elle se rit de l'avenir. Pardon, écrivez cela, que je me ris de l'avenir, parce que je sais qu'elle ne serait jamais pauvre. Avec tous les business, comment je vais devenir pauvre? How can I be poor? Allez encore lire tout ce que la fille a fait. Et ah, vous savez, la mauvaise information sur soi, ça peut gâter quelqu'un. Ça peut te frustrer à vie. Parce que tu n'es pas informé sur toi-même, sur qui tu es. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Maintenant, on parle encore de son mari. Son mari, ses fils se lèvent et disent, et la disent heureux. Son mari se lève et lui donne des louanges. Voilà tout ce que son mari fait. Moi, je chante, l'affaire, c'est m'informe moi-même. This is just giving me information.
plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui est louée. Est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail. Et qu'aux portes, ses œuvres se louent. Repartez lire ce que la femme s'y fait. On t'a frustré que tu es trop, tu fais trop de business, tu as trop l'argent, tu es trop ceci. Un homme qui entre dans ça, il comprend. Donc, il a, ouais, Seigneur, quand on enseigne la Bible aux gens, on enseigne comment et... On vous a dit que c'est l'homme qui doit tout faire à la maison. C'est lui qui doit subvenir à tout de la, dans la maison. Il y a certaines inspirations que l'homme ne peut pas avoir. Ce n'est pas dans lui. Ce n'est pas lui qui fait. Donc, comme tu as de le vouloir qu'il fasse depuis là, tu le frustres pour rien. Il ne peut pas. Ce n'est pas dans son ADN. C'est pour ça que vous arrivez quelque part, toi, vous devez vous comprendre et vous connaître. Et quand tu te connais, tu n'es plus frustré. Pardon, relisez-moi la chose ici. Merde. Le cœur de son mari a confiance en elle. Verset 11. Les produits ne lui font pas défaut. Elle fait du bien à son mari et non du mal. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Il amène et il part, ça entre, ça sort. Elle amène son pain, elle fait dans le pain, elle fait dans le vêtement. Elle se lève quand il est encore nuit, elle donne la nourriture à toute sa maison. Elle donne les commissions à ses servantes. Elle part, elle achète le terrain, elle a les terrains. Verset 16. Le fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle fait dans l'agriculture. Elle sent ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas la nuit. Elle a les équipes de nuit qui travaillent. Elle donne, fait les dons dans les orphelinats, verset 20. C'est elle qui achète les habits même à toute sa maison. Verset 21. C'est elle qui fait les couvertures. Elle fait dans le vêtement. Elle fait les chemises, elle vend. Elle vend les ceintures. Je vous en prie, hein. Vous qui aimez la paresse là. Vous aimez la paresse, la pauvreté. Pour cotiser 30 000, tu dois faire 2 mois. Pour acheter un kit de 50 000, tu dois faire 3 mois. Attends d'abord, j'ai besoin de cotiser l'argent, je me prépare. 3 mois plus tard. Vous n'êtes pas censé être pauvre. On t'a mis dans la tête que tu es censé avoir un boulot. Allez lire encore le proverbe 31, vous méditez dessus. Vous n'aimez pas la vérité, non. Moi, je vous dis comment la vérité. C'est là jusqu'à que ho ha, ça te plaît pas, tu pars. Ça te plaît pas, tu quittes. Oh. This is my season of favor. This is my season of victory. Things are coming to my light, oh. I'm going higher by the grace of God, oh. Oil in my head, oh, oil on my head. Ni-na-na-ni, ni-na-na-ni. Peace of my, Dansez ce soir. This is my season of favor. This is my season of victory. Kings are coming to my light, oh. I'm going higher by the grace of God, oh.
Ce sera mon manager. Ouh. Bon, monsieur, tu dis que tu vas assister au lavage, non? Si tu vas assister physiquement, tu vas venir à Makepe. Derrière le lycée de Makepe, ok? Il y a la piscine Paja Center. Derrière la piscine Paja Center, il y a la menuiserie. Donc, mes locaux sont en face de la menuiserie. C'est une villa blanche. Le portail est peint en blanc. Il y a ma photo sur le portail. Donc, tu arrives là-bas, tu montes, donnes ta carte d'identité au vigile, tu entres. Tu arrives avant 11h30. Parce qu'on commence le lavage à 12h00. Ok? Tu viens, tu t'assois, tu vas écrire ce que tu désires, tes vœux. Le lavage va te coûter 33 000 si tu payes sur place. Si tu payes à distance, c'est 33 800. Et si tu payes en distance, tu m'envoies ta photo. Photo de ton visage avec la avec l'âme. L'âme, tu as compris? Avec l'âme. Voilà. J'espère que tu as toutes les informations. Ça se passera demain, premier. Voilà. This is my season of favor. Oh my God. J'ai envie de chanter jusqu'à. Mais ce soir-ci, là, je n'ai vraiment pas. Il y a quelqu'un ici qui doit encore aller lire le proverbe 31. Vous savez ce que la société nous a fait croire aujourd'hui? La femme doit s'asseoir à la maison. Elle attend. C'est pour ça que beaucoup, parce que l'homme seul ne peut pas vous rendre riche. Il y a quelque chose dans la femme. Si l'homme est assez humble pour comprendre, il y a quelque chose dans la femme qui peut prendre un peu, ça multiplie. Tu n'es pas en compétition avec ton homme. En fait, c'est même easy pour l'homme. Il s'assoit seulement, il mange, il part à la réunion avec ses amis. Il vient, il loue sa femme. Oh mon bébé, oh j'ai une femme que j'aime beaucoup. Elle se lève le matin, elle fait tout. Oh my. Moi, je vis quand je vois mes choses dans la Bible. Je prends très rarement mes enseignements chez les gens. Je vois ce que la Bible dit. Je adore si. Je ne veux pas les interprétations des autres personnes. Et quand il vient souvent ici, il vous explique. Je dis que vous-même voyez aussi. Does it make sense? Does it make sense to you? If it does, that's good. Quand tu comprends certaines choses, c'est un peu comme si la lumière était entrée dans ta vie. Et ce n'est même pas la concurrence entre toi et ton gars. Regardez bien, la Bible dit qu'elle lui fait du bien, elle ne lui fait pas du mal. Parce que de nos jours, quand un homme arrive dans ta vie et que tu connais déjà qui tu es, c'est délicat. Parce que très souvent, sa façon de voir les choses sera erronée. Si tu ne connais pas encore qui il est. C'est pour ça qu'il y a certains panafricains qui prennent parfois deux femmes. Ils organisent ces femmes jusqu'à. Ils organisent ces femmes. Que toi tu es bon pour cultiver le champ. Et puis pour vendre. Toi tu es bon pour faire ceci. Donc ils les organisent. Tu rentres dans leur maison comme ça, c'est harmonie. Il y a l'harmonie. Pas de jalousie. La société souffre beaucoup parce que. On ne comprend pas comment on est censé fonctionner. Toi, tu es une femme, tu es là, tu as les idées, ça pète dans ta tête partout. Tu dans la nuit, quand on te réveille, tu as les idées. Ton gars ne te comprend pas. Une fois, une femme m'a dit quand elle a commencé à faire ces choses, elle vendait les croquettes, elle cachait en bas du lit.
René, je vois là où tu veux m'entraîner, je ne partirai pas là-bas, tu as compris. Moi, comme tu me vois là, je ne maîtrise pas toute la Bible. It's a lifetime process. C'est quelque chose qui peut te prendre même 3 vies pour maîtriser la Bible. Donc, le peu que le Seigneur me révèle, je crois et j'applique sur ma vie. Et c'est que tu vas vouloir que tu dises que non, commence d'abord par Genèse, après tu passes sur Lévitique, après tu passes sur Nombre, après tu fais Exode, après tu fais. Tu as compris? Si tu n'as pas compris ce qu'elle dit ce soir, c'est là déjà, tu laisses. Tu as compris, papa? Si c'est maman, si c'est René, c'est une femme ou un homme. Parce que parfois, ce qui vous embrouille, parfois, c'est que vous voulez connaître beaucoup de choses. Ou bien, vous voulez tout connaître. Et moi, je dis toujours, le peu que je connais, c'est ça que vous dites souvent que je ne suis pas la plus intelligente dans le spirituel. Je ne connais pas tout. Mais le peu que je connais là, je vais bien faire autre là. Donc, même si je connais seulement deux choses, les deux là, You're gonna find me on that one. J'ai fermé la Côte d'Ivoire, j'annonce sur ma page tout le temps. Vous les Ivoiriens là, vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux. J'annonce depuis 2 semaines qu'elle est fermée. C'est aujourd'hui que tu me dis que tu appelles le numéro, ça ne passe pas. Je n'ai plus personne en Côte d'Ivoire. Regardez mes vidéos. Sans ça, vous faites arnaquer, vous faites des trucs. On communique, vous ne comprenez pas. Voilà. Vous aimez ça. Les Ivoiriens là, moi je ne comprends pas. Hein. Très monotone. Soyez la page sur vos choses, soyez la page. Be up to date. Le but de la vie est, même ceux qui se font l'argent. C'est pour ça que souvent tu arrives quelque part. Tu vois quelqu'un faire, elle fait 2 menus. C'est bon, hein. Et ça lui donne l'argent jusqu'à. Et toi, tu connais préparer 10 nourritures. Et tu es pauvre. Je dis, non, moi, si j'ouvre ça ici, je vais augmenter ça dans le menu. Je vais augmenter ça. Elle dit que non, je fais le tarot et je fais le bouillon. C'est seulement les deux là qu'elle connaît. Mais elle fait bien. Et elle est là, elle fait. La vie est le principe de la vie. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que non, pour devenir riche, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de problème, René Feldman. Le principe, la vie n'est pas compliquée. Le peu que tu connais là. Applique d'abord bien. Il y a des gens ici là qui n'ont jamais acheté mes produits, mais le sel, seulement le sel là, ça les a aidés jusqu'à. Certains ont tout acheté ici là, acheté ceci, oh ça ne donne pas, ça ne donne pas. Bah, tu fais après, tu arrêtes, tu fais après, tu arrêtes. Soyez consistant sur le peu de choses que vous connaissez. Très très important. Pour moi, ça c'est la clé de la vie là-bas. Be faithful with the little you have. Be faithful, be steady. Je parle comme ça parce que je vous connais. Je ne cherche pas à tout connaître. Parfois, pour se délivrer, c'est pas compliqué. Hein. Pour se délivrer, l'ennemi connaît que si elle se lave constamment de ça et de ça, si elle fait constamment ça, tu fais 1 semaine après tu arrêtes, tu fais 2 semaines après tu arrêtes, tu fais 6 mois, tu ne fais plus. Il sait que si elle fait ça constamment pendant 6 mois, elle va te délivrer. Tu te décides seulement, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Tu te sens pas, tu n'as pas envie de faire, tu fais seulement. Tu as pas, tu fais seulement, tu fais seulement, tu fais seulement. Un bon matin, pouf! Qu'est-ce qui t'a. Fadima, si tu as fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, depuis 3 mois, je suis grosse comme ça là. Si tu as fait 3 mois sans passer sur ma page, ça veut dire qu'on ne, on ne sait, on n'a pas besoin l'un de l'autre. Tu as compris ma chérie? Je bloque les gens sur ma page. Tu as compris ma chérie? Voilà. N'ai pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de moi.
Dis-toi que si tu es dans mon répertoire, j'ai fait 6 mois sans t'appeler, je peux supprimer ton numéro parce qu'on n'a pas besoin l'un de l'autre. Ne vous surchargez pas avec les gens. Quand quelqu'un me dit que tu as grossi, tu vois qu'elle ne voit pas que j'ai grossi. Tu vois qu'elle ne sait pas que j'ai grossi. Ouais, oh. Ce n'est pas comme si j'ai mes règles et puis c'est derrière, je ne vois pas. Je sais que je me vois dans le miroir, non. Moi, je parle sur Facebook, ça, elle me voit, non. Ne pas me voir. Voilà, donc laissez-moi tranquille. Ouais, tu as grossi, tu as grossi, tu m'informes. Non, j'ai pas besoin de ça de personne, ne vous dérangez pas. Moi, je ne suis plus pour moi les gens. Je conduis ce qu'ils disaient. Soyez consistants, soyez persévérants. Dans la spiritualité, les petites choses aident. Les petites choses aident. Petit comme ça. Les petites choses de routine. Allez lancer la poule au village. Fais un don à l'orphelinat. Fais un petit salaka. Tu mets le sel dans l'eau, tu parles sur ça, tu te laves avec. C'est petit, non? C'est tout petit, tu peux laisser, tu n'as pas besoin. Mais ça aide. Ça aide. Alexis, je peux me défendre seul, elle ne te dérange pas, c'est ça que tu veux m'aider. À quand tu fais ma soeur, faut. Moi, là, ma bouche, là, parle. Si je peux parler à vos démons là, ils sortent de vos corps. Vous croyez que c'est vous là qui allez me dépasser? Maintenant, tu me dis que tu sais que le... Tu dis que tu as vu mes publications. Tu sais que les mots là ne passent plus. Pourquoi tu m'as d'abord dit que tu appelles ça ne passe pas? C'est pas la bêtise ça. Tu es en train de me voir en direct ici là. Hein, ma chérie? Ne me cherche pas. Maintenant, je lui dis que j'ai posté sur la page, j'ai dit que je savais que tu as fermé la Côte d'Ivoire. Alors que plus haut, tu m'as dit que j'appelle le numéro, ça ne passe pas. Oh. Vous êtes sorciers, allez faire votre sorcellerie là chez les sorciers. Dans le royaume des sorciers, ne venez pas faire ceci à moi. Quelques messages plus tôt, tu me dis que j'appelle le numéro de la Côte d'Ivoire, ça ne passe pas. Il te dit que j'ai fermé la Côte d'Ivoire et j'ai posté. Tu me dis que oui, je savais que tu as fermé. Oh, mamie, je ne te réponds même plus. Si tu me vois là, je ne réponds plus. Parfois, vous pensez que j'ai besoin de votre argent. Aïe. Bon, j'ai terminé. Je crois que tout ce que j'avais dit ce soir est passé. J'ai fini. Parce que quand il finit, vous commencez à m'embêter. Là, ça m'énerve. Je n'ai pas profité de la pluie. Donc, vous entendez ça sur mon toit. Non, je vais bien dormir cette nuit. Donc, vous venez ici, vous laissez m'embêter les gens. Rose, tu te moques de moi. Hein. Parfois, elle parle jusqu'à quelqu'un. Quand quelqu'un m'écrit, même là, il a le courage. Il a le cœur. Je sais que souvent, c'est difficile pour vous de m'écrire. Parce que vous savez qu'elle veut bavarder sur vous. Oui. Que parfois, quand tu lances la poule au village, ça te bloque. Hein. Car autrefois, un de tes ancêtres a lancé la poule, mais pour le négatif. Mamie, tu sais, moi, je vous dis toujours que ne soyez pas, on dit double-minded, n'ayez pas deux. Si le prêtre a parlé comme ça et que tu vois que tu ne vas pas lancer la poule, maman, ne lance pas. Tu comprends? Ok? Tout ce que vous faites, faites avec la foi. Faites avec la conviction. Ne faites pas partout. Donc, ne soyez pas le genre de personne qu'on peut venir facilement, on te pousse. Tu écoutes pour la poule, tu dis que non, je vais aller faire ma poule au village. La veille, quelqu'un te dit que tu achètes la poule pour faire quoi? Non, ça c'est pour les sorciers. Tu allais acheter ta poule et tu laisses. Non. Soyez déterminés dans vos choses.
Parce que quand tu sors, même le mauvais esprit là qui te bloquait, voit comment tu viens comme ça, il dit que, hey, il fuit lui-même. On essaie de la décourager, on a envoyé le prêtre là pour qu'il lui parle, il ne comprend pas. On envoie sa copine, on envoie le post là sur TikTok. Et que, elle n'est pas toujours pour lancer la poule. Parce que tu es déterminé. Soyez ferme dans vos choses. Tu ne trouves pas quelqu'un pour lancer la poule. Toi-même, tu prends la poule, tu commences à lancer seul. Que vraiment, grand-père, grand-mère, j'ai cherché le corps, je ne trouve personne pour lancer la poule ici au village. Vraiment, écoutez-moi, pardonnez-moi seulement. Je ne connais pas comment on fait, mais montrez-moi, je ne sais pas, j'ai fait seulement un peu. Vous savez que vous avez venu me montrer. Et quand tu veux sortir de tes problèmes, non, ne lance pas la poule. Ah bon? Hey! Tu laisses. Soyez faux. Nos ancêtres, les premiers là qui ont fait certaines choses, qui leur avaient montré. Il est ressourcé seulement senti dans son esprit qu'on peut faire comme ça là. Abraham, va voir Abraham dans la Bible. Quand Abraham a fait ces choses. Qui avait montré Abraham? Il a fait par la foi. Moi, je porte mes choses et tout ce que je porte, je vends. Oui, je vends ça. Il y a le gros comme ça là, il y a un autre qui est petit. Ça, c'est le gros qui a deux. Il y a l'autre qui a un seul. Et puis, ça, c'est l'œil de tigre. Ça, c'est l'améthyste. Attendez un peu. J'ai un bracelet, ça, je ne sais pas si c'est encore là. Il y a le bracelet mauvais œil. Il y a le mauvais œil ici. Où est-ce le mauvais œil, non? J'ai mélangé ça avec le mauvais œil, avec le ce qui chasse les mauvais esprits là, le noir aussi. Le noir là chasse les mauvais esprits. Ça c'est pour éviter les mauvais yeux sur vous. Voilà. Il y a encore un autre là que je crois que c'est en bas. L'autre là c'est le kauri. Il y a une couronne de kauri, on voit la couronne de kauri, on voit aussi le collier de kauri. J'ai quand même fait beaucoup, mon staff passe la publicité ici là tout le temps. Donc si vous regardez les choses sur la page, vous allez voir ça. Yolande Nembot, la chaîne, il y a le faux de ça, il y a le vrai. Je ne peux pas te trouver ça avec les dents ici. Parce que j'ai trouvé ça chez une dame. Elle n'avait qu'un seul exemplaire qui venait d'une maman. Donc l'autre, je ne peux pas te trouver avec ça. Avec les dents, je ne peux pas. Mais on peut te trouver ce qu'il y a seulement ça. Si tu sais que tu as l'argent pour acheter, parce que ce n'est pas de tous les 5 francs, c'est là. Ça là j'ai acheté ça en gros, ça m'a coûté 100 000 francs. Ça c'est chez une grossiste. Donc tu peux aussi arriver au Cameroun, tu bats les machins ambulants là, ils te vendent ça au prix qu'ils veulent. Donc si moi je prends ça chez le grossiste à 100 000, ils vont te vendre ça à 150 000. Tu as suivi. Moi je te dis moi, oh, moi il fait pas mes choses pour perdre. Va en ligne, tu écris Nyembe, tu écris améthyste. Tu vas lire ce que ça fait. Venez pas vous éduquer chez moi. Je ne fais pas les éducations aujourd'hui. Pas, tu écris œil de tigre, tu vas voir les vertus. Tu écris améthyste, tu vas voir les vertus. Apprenez à chercher vous-même. Tu dis, il est malade de quoi? Vous là, je n'aime pas la pauvreté, je n'aime pas sentir la pauvreté. Je n'aime même pas converser avec quelqu'un qui est pauvre. Je n'aime pas, parce que la pauvreté, d'abord, c'est dans la tête. J'ai mes outils ici, là, attendez, voilà mes... Parce que j'ai mis mes colliers, j'ai accroché mes colliers plutôt dans la pièce, là. J'ai un collier, là, que c'est en ivoire. Quand vous allez acheter, tu as sans quelque chose. J'ai une maman là chez qui j'achète des choses, c'est une grossiste. Donc quand elle passe chez elle, elle a plein de choses. Ce qui fait que si moi je prends à 100 000, elle peut pas te donner à 100 000. Elle te donne à 120 000, pourquoi? 20 000 seulement. Mamie, peut-être même mon collège chez moi, je mets ça sur le mur, ça reste là-bas, ça me plaît. Tu as compris? Voilà.
Parce que le fait qu'elle touche là-bas, là, il y a même ma bénédiction sur ça. Et toi aussi, tu peux partir, tu cherches chez tes gens là-bas. Ça ne me dérange pas. C'est pour ça que je vous montre. Donc tu peux filmer, tu peux tu demander, tu cherches toi-même. Mais si tu achètes chez moi, elle va faire moi mon prix. Ok? Why you? Non? Why you? Mm-hmm. C'est ça qui me donne l'argent. Je passe 3 heures de temps ici, là, je bavarde. Parce qu'elle décidait qu'elle n'a pas fini de bavarder ici encore, je vais partir encore nettoyer le sol quelque part. Why you? Yep, fuck. Mm-hmm. Et je ne suis même pas possible de vendre mes choses à n'importe qui. Il y a des gens à qui tu vends tes choses, ils ont tellement la malfoi. Je ne sais pas, on peut dire. Disbelief. Unbelief. Quand ils vendent quelque chose, quelque chose, je t'explique d'abord pourquoi ce que tu. Like, what is it going to do to you? Donc quand tu prends, tu n'achètes pas seulement la chose comme ça. Tu prends, tu mets sur ta tête, ou tu prends, tu mets sur ta main, ou tu prends, tu es en train de mettre. Tu comprends ce que tu fais. Tu comprends ce que tu fais. La spiritualité, c'est pas. À ce moment-là, tu comprends ce que tu fais. Tu vois les gens, ils peuvent se filmer, tu les vois sur leur profil. Ils ont les courriers, ils ont un collier de courriers. Est-ce qu'ils connaissent ce qu'ils portent? Mais maintenant, est-ce que toi, tu peux. Toi, depuis que tu me suis là, est-ce que tu peux prendre un tour de courrier, tu mets sur toi pour rien? Tu es instruite. Tu comprends ce que tu fais. Et tu comprends la protection que ça t'apporte. Tu comprends l'autorité que ça te donne. Donc ce n'est pas la mode. Tu ne fais pas la mode. Mais les bâtons de commandement, voilà mes bâtons là-bas. Le jour où je travaille, je prends mon bâton, j'arrête dans ma main. Je n'arrête pas parce qu'il veut me filmer avec ou parce qu'il veut. Non, parce qu'elle sait ce que c'est. Tu me vois, je prends le haut, donc je mets sur mon truc. Je prends le chapeau, donc je mets sur ma tête. Ou je prends la couronne, je mets. Non. Tu vois, tu commences à comprendre. Quand tu prends le courrier, tu cours sur ton habit. Tu ne fais pas seulement. C'est pas les courriers que tu as acheté au marché Congo. C'est pas les courriers des Chinois là, non. Tu comprends ce que tu es en train de faire. Bah, tu as compris que non, moi je suis une femme de l'eau peut-être. Ou bien les courriers, ça apporte la prospérité, protection. Voilà. À bon entendeur, saluons-nous. C'est celui qui a compris qu'on comprenne. Mm-hmm. Ok. Et ça qui se cache, vous avez les gens de ces petits comptes qui me suivent. Vous êtes sur ma page, je vais vous cacher. Vous cachez. Vous n'avez jamais liké. Vous faites quoi sur ma page? Hmm? Vous faites quoi ici? Moi, le premier objet spirituel qu'on m'a mis, je sortais avec un homme. Et moi, j'avais toutes les chemises, les robes des blancs, les robes tailleurs, c'est tout ce que je portais. Donc, je rencontre cet homme, c'était un panafricain. Et il m'invite dans une fête. J'étais encore dans mon mood, genre, c'est toi l'homme, tu dois m'acheter. Tu me dragues, tu m'invites, tu dois m'acheter l'habit, non? Il m'a donc amené dans un magasin, il m'a acheté un habit. Un ensemble, le tissu était différent d'abord. Et il m'a acheté une couronne. Les couronnes rondes que je fais là. Donc, il y a une partie, c'était la couronne, et une partie, c'était l'écharpe. La fête, c'était le lendemain. Je me suis habillé, quand je me suis habillé, j'ai mis la couronne sur ma tête. Je me suis filmé. Waouh! Je ne veux pas vous mentir, c'était le déclic. À partir de ce moment-là, tout mon corps ne voulait plus. Je ne voulais plus les habits des blancs, là, je ne voulais plus. I didn't want it anymore.
Donc ça, peut-être deux ou trois mois après, j'ai acheté la couronne, j'ai acheté toutes les coris, j'ai mis tout comme ça. Donc, c'est comme ça le déclin. Je me rappelle la photo, la première photo que j'avais prise. J'ai pris la photo comme ça, je regarde. Toute la soirée, je faisais comme un miroir. C'est comme si je me suis souvenu de qui j'étais. I remembered who I was. Je dis, comment j'ai vécu autant d'années. Même si avant tu portais des tissus wax, c'était pas la même chose. Quand tu as une connaissance de toi qui entre, c'était magnifique, vraiment. Les mois qui ont suivi, c'était grave. Les bâtons de commandement, le ndop, les ceci. Là où je suis maintenant, tout dans ma maison, c'est que tout chez moi, c'est fait. Ma garde-robe, alors. Même les chaussures qu'elle porte, tout. Et c'est magnifique. Avant, quand je sortais 100 000 francs pour acheter un truc, mais dès que je peux facilement sortir 100 000, 200 000, j'achète un truc comme ça, là. Ça n'a pas de sens. Soit, like, what's this? Like, what is this? Like, why would I spend some? Mais, c'est le truc qui t'appelle, en fait. Il y a une à Paris comme ça, je ne vais pas te nommer, mais je sais que tu as regardé ceci. L'autre jour, on parlait, elle a pris une consultation mission de vie, quelque chose comme ça. Une mission de vie, c'était mission de vie. Et pendant qu'on parlait, elle disait que waouh, elle me disait que chaque mois, elle achète au moins trois trucs spirituels. Donc cette fois-ci, elle a commandé une canne. Elle a déjà reçu le long bâton, parce que je crois que je vous ai parlé des longs bâtons. Les bâtons sont là-bas, j'ai pas envie de me lever pour aller vous montrer, c'est long. Vous avez monté ça dans les vidéos. Il y a les bâtons de 1,50 m, il y a l'autre de 1,60 m à côté. En ébène. Donc, cette fois-là, on a la canne. La canne, c'est 90 cm. Et elle n'est pas bamileke, mais elle a commandé le ndop, le haut. Elle a commandé le chapeau. Elle a commandé la couronne de Kori. Elle a commandé. Ça, c'est seulement ce mois-ci. Je crois que les mois d'avant, en tout cas, chaque mois, elle commande des choses. Et elle dit qu'elle n'arrive plus à s'en passer. Like, c'est comme si elle doit réaménager ou bien refurnish. Like, elle doit refournir sa maison d'objets spirituels. Et à chaque fois que quelque chose entre dans ta maison, c'est comme s'il y a un pouvoir qui est restauré. C'est comme s'il y a un pouvoir qui entre. Je sais que, like, I kid you not, you know, I don't even know how to say it. Chaque fois qu'il y a un truc qui entre dans ta maison, c'est comme s'il y a un pouvoir qui t'était restauré. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui comprend, mais je sais que vous les connaisseurs connaissent ce qu'il dit. Je sais que vous me comprenez et vous savez que ce que je dis est vrai. Vous savez ce que l'ébène fait à la maison, non? L'ébène. Ça éloigne les mauvais esprits, ça donne le courage. Ça met un champ d'énergie autour de la maison. Monsieur Aristide. Il dit que règne depuis longtemps. Hein. C'est chacun qui ouvre sa royauté en son temps. Certaines personnes tardent un peu. Ok, tu dois envoyer ta photo maintenant. Envoie une photo de ton visage. Une photo de ton visage avec ton nom complet. Oui. Pour le lavage pour demain. L'autre jour, ma fille chauffait dans la nuit. J'ai pris mon bâton de commandement. J'ai prié, j'ai appuyé sur sa tête. Effectivement, ça, c'est une façon d'utiliser le bâton de commandement. J'ai pris le parfait Terminator, elle a léché, j'ai oint sa tête. Depuis le moment là, c'est bien que tu aies ce réflexe pour le bâton de commandement. Le bâton de commandement, c'est quelque chose que tu... Supposons que ça, c'est mon bâton. Tous mes bâtons sont de l'autre côté là-bas. Je ne sais pas si j'en ai un ici à côté. Everywhere I enter.
person they follow me. Things are coming to my rise, oh. I'm going higher by the grace of God, oh. All in my head. Tu sais pourquoi j'aime beaucoup sortir le sax hier? J'ai le sax Louis Vuitton et j'ai le sax ici, mais je préfère ça. Non, le sax me plaît trop. Il y a un goût sur ça là. Ça là, c'est pour les blancs. Et tout au bas le bâton, je vous aurais montré. Bon, c'est pas grave. Things are coming to my rise, so. I'm going higher by the grace of God. Oil on my head. Je n'ai vraiment pas envie de me lever. C'est pour ça que vous me voyez tout ici. Ah, Raymond, tu veux un sac? Le sac comme ça, là, c'est le pouvoir. Hein. Chaque fois qu'on te donne un sac, c'est un pouvoir. Attendez. Je crois que vous m'avez forcé à me lever. Je dois me lever pour aller. Je vais faire un peu le tour de la pièce avec vous. This is my season of favor. Quand je vais vous montrer. Bon, voilà les bâtons dont je vous parlais. Ils sont ici. Il y a ce genre de bâton. Ah, c'est 1,60. Vous voyez. Il y en a plusieurs. Il y en a que j'ai des sauts au Cameroun. Bon, celui-ci, c'est 1,50. Je crois que je vous ai montré ça. Bon, maintenant, il y a les chapeaux. Là, c'est moi là-bas. Vous voyez ma photo? Voilà les couronnes. Les gens qui ont fait le couronnement là. Donc, j'envoie mes chapeaux, je les mets un peu partout. Là, je suis allé dans un. J'ai fait le don dans un endroit là, ils m'ont donné les chapeaux aussi. Les gens là ne me connaissent pas. Hein. Ils ne savent pas ce que je fais dans la vie. Mais c'est assez bizarre. Donc, je fais une œuvre charitable là-bas. Et le prêtre, je vous dis bien, le prêtre achète ça, il me donne. Voilà ce que le prêtre m'a donné. Voilà le prêtre, il m'a donné ça et ça. Le prêtre, s'il vous plaît. C'est le prêtre qui m'a offert ça. Donc moi, j'ai mis mes deux chapeaux que le prêtre m'a donné. Et c'est que vous allez, comment on dit que les gens sont connectés en esprit là? Le prêtre peut acheter le chapeau des notables, il me donne. On va parler, vous allez dire que... Attendez, vous amener de l'autre côté. Et le prêtre m'a... Voilà ce que le prêtre m'a donné. Voilà ce que le prêtre m'a donné. Ça. C'est une église, une école catholique. Il peut acheter le chapeau et il achète ça. Voilà ce que les gens là m'ont donné. L'église m'a donné ça. Ça là, c'est moi-même qui ai acheté. Je vous ai montré ça plusieurs fois. Mon sac, ça me plaît trop. Avec mon petit lion dessus. Maintenant, il y a encore un autre ici. Donc ça, c'est les bracelets qui m'ont aussi... Que le prêtre m'a donné les bracelets en dope là. Tous les bracelets, c'est lui qui m'a donné. Bon, maintenant, voici les trucs dont je vous parlais. Ah, tiens. Voilà. Il n'est pas encore accroché ceci là. Je crois que je vais partir vous montrer ça là-bas. Bon, ça c'est mon tableau. Voilà mon trône là-bas. Vous avez fait monsieur Lévy, finalement. Je vais vous montrer les trucs des autres aussi. Il m'a donné avec ça. Voilà le cinquième élément que le prêtre là, m'a donné. Donc, vous avez parlé. Ça, c'est le produit en ébène. Et puis, ça, c'est le produit en ivoire aussi. Donc, cela est trop lourd. C'est trop puissant. Là, tu as aimé ça. Tu as aimé ça là. Ça peut donner un mot de tête.
À part qu'on danse à l'église avec la queue de cheval, oui. Vous pouvez faire votre tête de mort, je m'en fous de vous. Je m'en fous réellement de vous. Vous avez suivi. Ok. Tu demandes à Vanessa que les bâtons de commandement, c'est combien? Vous avez des questions, je pense même pas qu'on se, on est dans la même, on pense pas qu'on a le même, on est le même endroit. Nous maintenant là, tu enlèves ça, sinon je vais pas dormir. Et à moi, il met ça le matin, pas le soir, et c'est trop lourd. Spirituellement, c'est très très lourd. Je garde juste ça sur moi. Donc, il y en a parmi vous, quand vous allez commencer à acheter ces choses ici, vous allez. Inconsciemment, vous allez seulement le faire. Vous allez vous retrouver en train de le faire encore. Encore. Ok, rappelle-moi demain. Comme ça, je vais regarder ta commande. Ok, on va aussi vérifier que ton paiement est arrivé. Et puis, on va te poster ça par DHL. Voilà. Si vous m'avez écrit ce soir, je voudrais bien que vous écrivez-moi encore demain, parce que c'est 23h30. Moi, il y a des messages que je ne vais pas voir, je ne vais pas tout voir. Waouh! Tu dis que tu étais à la basilique aujourd'hui, toutes les statues des reines avaient des couronnes et des bâtons de commandement. Et tu dis que ce n'est qu'aujourd'hui que tu as remarqué. Voilà. Oui, on va mettre le sac d'op. Dans ta prochaine commande, tu précises juste, on va te mettre le sac d'op là-dedans. Vous savez, il y a des choses que vous allez commencer à remarquer. Vous allez remarquer seulement. Les choses que tu voyais avant, tu passais. Mais quand ton œil commence à s'ouvrir, ton œil spirituel, tu commences à remarquer, tu m'attends un peu. Comme la canne, par exemple. Quand vous repartez lire, Moïse avait le bâton. C'est le bâton que Moïse a pris, l'a soulevé sur l'eau. Pour ouvrir l'eau. Et ces personnes-là, quand ils se passaient le pouvoir avant, c'est du bâton, le bâton ou bien la bille. Le bâton ou bien la bille. Il y a autant de choses comme ça là que. Tu vois, la société nous a démunis. Enfin, on ne nous a pas démunis, mais c'est comme si c'est le rôle d'un roi de chercher et de découvrir. Je crois qu'il y a un passage de la Bible qui dit que the Lord conceals things and it's the law is the king's duty to attendez, je vais trouver le passage. C'est votre devoir de chercher en fait. Vous attendez toujours qu'on vienne tout vous dire là. Je ne sais pas si je peux trouver ça mais juste avec les paroles que j'ai dans ma tête là. Donc je vais voir. Voilà. Proverbe 25, verset 2. Voilà. Proverbe 25, verset 2. Parce que vous avez l'habitude que vous attendez à ce que les choses viennent tomber sur vous. Si vous êtes parti dormir, partez dormir. Oh, bonne nuit. Moi, tant que j'ai fini, parce que j'ai dit dans mon cœur, là, il parle pas moi. Ouais, le 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est tout petit, c'est court. Maintenant, si je prends la version anglaise, j'aime parfois dire en version anglaise. Ça paraît un peu plus.
consistant. It is the glory of God to conceal a matter, to search out a matter is the glory of kings. Donc Dieu se fait un malin plaisir à cacher certaines choses. Maintenant, toi, le roi, la reine, ton devoir, ce qui va même prouver que tu es roi, c'est que tu vas chercher les choses. Vous suivez? Attendez pas toujours que tout vous soit servi. Que je ne connaissais pas. Cherche. Je ne savais pas. Et la Bible dit aussi, study to show yourself approved. Étudie pour que tu puisses passer le test de la vie. Ça, c'est ma. J'ai paraphrasé. Parfois, vous avez fait les longues vidéos, vous n'avez pas écouté. Vous n'écoutez pas. Non, vous voulez qu'on résume moi ça en 5 minutes. Je ne suis pas disponible. Je vais te parler, je ne suis pas disponible. Va t'asseoir, tu écoutes. J'ai tellement d'enseignements. Ce matin, il y a une qui a posté un des enseignements que j'ai fait en août de l'année passée sur une des pages. J'écoute le truc, je dis waouh. La vidéo aussi est riche, hein. Moi-même, je m'écoute, je dis que mince. Parce que si vous n'avez pas le temps, tu n'as pas le temps, tu fais quoi? Regarde combien de temps tu as passé sur TikTok aujourd'hui. En fait, c'est pas la blague, hein. Bonsoir la reine Souké. Non, c'est pas la blague, c'est une joke. Et ceux qui dominent sur nous dans la société, ce sont les personnes qui ont pris le temps d'apprendre et de maîtriser ce que nous avons négligé. Comment voler l'aura de quelqu'un? Comment utiliser l'énergie de quelqu'un pour s'enrichir? Comment récupérer son propre aura? Comment activer son étoile? Comment se protéger? On t'apprend pas ça à l'école, hein? C'est pas à l'école qu'on va te montrer ça. C'est pas à l'université, ma chérie. Et pourtant, c'est vital, c'est crucial pour toi. Tu finis à l'université, tu ne connais pas toutes ces choses-là. Tu vas rester au quartier, tu ne feras rien. Oui, la reine Janine, c'est pas la blague. Et tu vas voir que quand tu commences à vraiment apprendre, tu apprends. Tu vois que wow, j'aurais pu faire telle chose quand j'étais jeune. J'aurais dû avoir. Il n'est pas trop tard. Assois-toi, commence à faire. Discipline-toi, tu étudies, tu mets en pratique. Tu vas voir que les choses qui te bloquaient depuis des années, paf, ça va s'ouvrir. Les rêves que tu te voyais toujours dans la maison de ta grand-mère au village, je ne sais pas trop. Chaque année, tu te revois sur les bancs de l'école. Tu vas voir que tu vas passer. Tu vas trouver ton bulletin. Tu vois, quand tu partais au Babia dans le rêve, tu ne vois jamais ta note. Mais j'ai composé, pourquoi il n'y a pas ma note? Ouais, j'ai des rêves là, non? Tu vas valider des matières. Jusqu'on va te mettre le chapeau de graduation. Oui, on va te mettre sur la chaise. On va te donner tes sacs. On va dire, pas, bye. Tu vas sortir de l'homme de l'étape là. Vous blaguez avec la spiritualité. Spiritualité, mon frère, c'est pas une blague. Maman, pourquoi tu as mis du temps avant de me contacter? Jesus is Lord. Il y a le travail à faire sur toi. Oh, oui, les voiles sur ton visage. Jesus. Ton argent est bloqué. Quel devoir d'abord là? Ton argent d'abord est bien bloqué. Maman, ton argent. Oh, tu es bien bloqué. Tu vas faire le lavage pendant 3 mois. Même pas seulement 1 mois. 3 mois au moins. Hey, quand elle fait mes vidéos, je vous parle, vous ne comprenez pas. La fille envoie la photo comme ça, elle est bloquée. Oh là là. Bon, je vais clôturer ceci. Parce qu'on approche déjà minuit. Et je crois qu'on va clôturer le truc.
Je vais essayer de voir ce qu'ils veulent me faire tirer comme carte pour vous. Je vais faire un tirage collectif. Donc, ne demandez pas que je tire pour vous. Je pense que ce que je vais tirer va compléter ce que je suis en train de vous dire depuis. Il y a d'abord la guérison du cœur. Je vais d'abord prendre la guérison du cœur. Elisha, tu rêvais d'abord que tu ratais l'examen tout le temps. Maintenant, depuis que tu fais ton travail spirituel, tu rêves que tu as réussi. L'affaire là, tu vois, tu te réveilles le matin comme ça là, tu sens que tu as un sentiment de non-accomplissement dans ton cœur, genre, pourquoi j'ai échoué? Et tu ne sais pas dans quelle école c'est. C'est dans ton rêve. Tu ne sais pas comment tu peux retrouver l'école là. Moi, en première, j'avais vu en rêve mon bac, mon mariage et mon enfant. Première université, j'ai eu les trois. Ça a enchaîné. Bon, on va faire le cœur, on va faire les vies antérieures, on va faire la mission de vie. Okay. On va voir les deux choses qu'ils ont à te dire. Dépendance affective. Tu dois te libérer de la dépendance affective que tu as. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Tu attends trop de la personne. S'il apprécie, tu crois que tu peux. S'il n'apprécie pas, tu crois que tu ne peux pas. Donc, tu vas te libérer de ça. Et c'est quand tu vas te libérer que tu vas pouvoir rencontrer ton âme sœur. Et ton âme sœur, on me dit que ton âme sœur, ce n'est pas seulement âme sœur sexuelle ou quoi que ce soit. C'est plus quelqu'un qui va t'aider à t'ouvrir. Je vois quelqu'un que tu vas rencontrer. La personne va te donner tellement de confiance en toi-même pour t'ouvrir. Like, comme une fleur qui s'ouvre. Voilà. C'est une âme sœur, une flamme jumelle. Ok, on fait une dernière pour le cœur. Hein? Une dernière pour le cœur. La rupture. Certains d'entre vous, vous allez rompre. Vous allez rompre avec ces personnes dont vous avez la dépendance affective là. Vous allez avoir le courage de dire c'est bon. Peut-être, je vois peut-être que quand tu es dans une relation avec un homme marié, qui te donne les espoirs. Oh, je vais t'épouser, tu seras ma deuxième femme. Oh, 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 oh. Mm-hmm. Maintenant, tu vas avoir le courage. Tu vas juste arrêter. Bonsoir Tiana, comment tu vas? Tu vas avoir le courage d'arrêter totalement. Tu vas juste. Tu vas, donc, c'est comme ça à partir de ce soir. Tu ne vois plus l'importance de cette relation. Donc, reçois la grâce. Reçois la grâce que les anges t'accompagnent. Que tu puisses le faire totalement au nom de Jésus. Bon, on va prendre les vies antérieures maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire après le message de ce soir? Bon, vous êtes entre vous, vous devez aller vous ancrer à la campagne. Vous devez prendre peut-être 2-3 jours, aller là où il y a de la verdure. Si tu as un parc autour de toi, demain comme c'est le premier, va là-bas le matin, tu libères tes intentions. Écris tes intentions pour le mois. Et tu vas là-bas, tu libères tes intentions à la nature, tu parles. Tu enlèves tes chaussures, tu mets tes pieds dans le sol. Je crois qu'il n'y a plus de neige pour l'instant, je crois. Tu marches dans la nature, tu mets tes pieds au sol très tôt le matin. Ça va te reconnecter. Oui. Je crois qu'on a fait la libation. J'ai demandé de faire la libation déjà. Vous avez, j'espère que vous avez fait. Les enfants. Certains d'entre vous, ce que vous aurez à faire. Dans votre mission de vie, ça va concerner les enfants. Donc, peut-être tu seras tenté d'aller peut-être dans un orphelinat enseigner ou d'aller faire un don dans un orphelinat, quelque chose dans ce sens-là. Tromperie, adultère. Il y a quelqu'un qui va découvrir peut-être qu'on a trompé ou bien tu vas finalement accepter. Parce que tu étais avec quelqu'un qui te trompait. Bien, tu es avec quelqu'un qui te manque depuis, qui t'utilise, mais tu te donnes des excuses. Ou bien tu te dis, ouais, c'est le père de mes enfants, c'est le ceci. Tu te donnes des excuses pour retomber encore dedans. Donc, cette fois-ci, tu vas être clair. Donc, je vois beaucoup de ruptures. Vous allez rompre avec les cycles répétitifs que vous acceptiez toujours. Donc, je vois ça. Vous allez rompre avec ces cycles répétitifs. Et vous allez, voilà, tromperie, adultère. Vous allez exposer ça finalement et accepter que voilà, il m'a trompé. J'accepte, c'est pas un échec. Ok, s'il a voulu me tromper, it was him, not me. Solitude, vous allez rentrer dans un moment de self-reflection.
un moment où vous allez vraiment ponder, c'est-à-dire ruminer, considérer votre vie, voir ce qui est important pour vous, faire le tri, je vois surtout le tri, voilà, le tri. Et beaucoup de cycles karmiques vont aussi être brisés. Il y a des leçons que vous ne vouliez pas apprendre depuis, que vous n'avez pas appris depuis, que vous allez commencer à apprendre. Et la carte de culpabilité est sortie. Donc vous allez libérer votre esprit de culpabilité. Vous allez vous libérer parce que la culpabilité faisait que tu attirais toujours les mêmes choses, les mêmes personnes. Donc je te libère de cette culpabilité ce soir. Je t'aide à te libérer. Que l'énergie de la Vierge Marie te libère de cette culpabilité. Au nom de Jésus. Moi, mes choses sont toujours bizarres, hein, ok? Non, acceptez seulement comme ça vient là. Si ça te parle, c'est bien. Si ça te parle pas, pas de mission de vie. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez pris un peu de retard. Et ce retard, c'est dû, je vois beaucoup l'émotion. L'émotion qui vous retarde, l'environnement. Je crois qu'il y a des personnes autour de vous. Ou bien encore les croyances, voilà, les attentes des autres personnes. Ok, tu dois d'abord te marier, tu dois avoir des enfants d'abord, tu dois d'abord faire ceci avant d'eux. Et là, c'est comme si tu étais bloqué, tu étais stock, tu étais bloqué dans ça depuis, tu es dans un engrenage que tu n'en avances pas. Donc, reçois la grâce pour pouvoir accélérer. Je déclare l'accélération sur toi. L'accélération, que toute partie de ta vie qui avait pris du retard soit restaurée. Bon, la carte qui est tombée, c'est la carte de... Attendez, vais voir, c'est tombé. Moi, je vais me baisser pour ramasser ça. Entreprise familiale, ok? Bon, des femmes enceintes, elles n'aiment pas se baisser. Entreprise familiale. Tu vas créer finalement une entreprise ou bien un business qui va, dont les sous vont te permettre peut-être d'acheter des terrains que tu vas passer à tes enfants ou bien tu vas créer quelque chose que tu pourras, une like, legacy, un héritage que tu passeras à tes enfants. Donc dans les mois qui suivent, tu vas soit acquérir beaucoup d'argent, soit acquérir de l'argent peut-être et acheter quelque chose que tu vas passer à tes enfants. Mais il y a un héritage familial que tu vas acquérir dans les jours qui arrivent. Donc la prochaine carte, c'est la carte du soldat de lumière. Tu es quelqu'un que tu es né pour aider les gens. Tu es né pour aider les gens. Et tu aimes beaucoup. Quand tu aides les gens, tu es dans toi. Tu te sens toi. Et ça revient beaucoup. C'est comme si tu as tiré les cartes de il y a cela quelques jours, c'est venu plusieurs fois. Et là, je te dis, mais c'est pas une coïncidence ça. C'est quoi ça? Voilà, tu es appelé à ça. Donc n'hésite pas. Tu es un soldat de lumière. Tu es quelqu'un qui est là pour apporter la lumière dans la vie des gens, pour aider les gens à trouver leur chemin, pour aider les gens à être clairs sur ce qu'ils sont appelés à faire sur la terre. Voilà. Et tu aussi, tu vas t'organiser indépendamment. Je vois indépendance d'organisation. Donc, tu vas développer cette capacité à penser par toi-même, à prendre des décisions sur ta vie toi-même. Personne ne va plus venir te dire, ouais, voilà, je fais ça parce que je fais plaisir à ma mère. Non, tu ne vas plus. Tu vas toi-même, seul, tu vas faire ça. Et en décidant, ce sera plus. Il y a une certaine assurance qui va naître en toi. Donc la dernière carte, c'est la carte de l'abondance et du succès. L'abondance. Succès, abondance. Tu as beaucoup d'argent qui arrive. Mais tu te dis que tu as finalement réussi. Pendant des années, tu t'es dit, on fait comment? On fait comment pour avoir l'argent? Flora Wandi, tu es sur ma page. Donc si tu regardes quelque part là-bas, tu vas voir mon numéro. Sors de ce direct, tu regardes sur ma page. Mon numéro est partout. Mon numéro est partout sur la page. Ok? Partout, partout, partout. Donc tu vas trouver ça là-bas. Aristide, toi tu as un problème. On n'en parlera pas peut-être aujourd'hui. Tu te laisses utiliser par tes pulsions. Il y a des choses que tu dois guérir dans toi. Le cadre de l'abondance, l'argent est en train d'arriver. Donc on a aussi l'architecte, quelqu'un qui s'assoit, tu vas commencer à designer ta vie toi-même. Tu vas commencer à mettre des projets, tu vas commencer à designer ta vie. Tu vas commencer à, et tu vas aussi aider les autres personnes à planifier. Peut-être même ta mission de vie en fait même, c'est d'aider les autres personnes à sortir du trou dans où ils étaient. Je te vois en train d'aider les gens à planifier leur vie. Une sorte de coaching organisationnel, ça n'a pas de sens mais bon. Coaching organisationnel, c'est-à-dire les gens viennent te voir pour mettre de l'ordre dans leur vie. Pour planifier comment échapper à leur mari qui abuse peut-être d'elle, je sais pas. Ils ont des idées, hein, moi. Moi, ce que je fais comme boulot aujourd'hui, c'est pas un truc que j'ai vu quelqu'un faire. Dieu m'a donné des idées, j'ai obéi, et puis bon, voilà.
Ok, donc on va prendre les cartes maintenant de les cartes d'abondance pour voir. Et après ça, on partira. On va se dire bye bye bye. Il est quelle heure? Ouh, 10 minutes pour 23 heures. Oh là là. Je ne voudrais pas te manger avant la prière. Bonsoir Thierry. Monsieur Thierry Ndongo. Thierry Ndongo. J'avais un enseignant à l'université qui s'appelait Thierry Ndongo. Je doute que ce soit toi, c'est pas toi. Thierry. Il était très gentil. Très gentil. La carte de l'appartenance. Dans cette saison aussi, tu vas trouver, tu vas être accepté. Tu vas te trouver. Tu vas te trouver. Tu vas avoir un sens de stabilité, un sens de d'appartenance. Voilà. Voilà, tu vas aussi te sentir supporté. Voilà, je crois que tu es quelqu'un que tu t'es trop battu seul. Personne ne t'a aidé. Tu as tout fait tes choses seul. On te dépend financièrement. On te dépend. Donc, il y a aussi la carte de l'espoir que j'ai tirée. Tu vas commencer à te sentir supporté. Tu vas commencer à sentir que je ne suis pas seul. Que si je veux, que j'ai besoin de quelque chose, ça va venir. Voilà, la dernière carte, c'est la carte de la joie. Wow, what a beautiful ending. Joy, joy. Donc là, tu vas, you're going to burst in joy. Là, tu auras une sorte de bouffée de joie. La dernière carte de l'autre, c'était l'abondance et le succès. Et la carte ici, on me demande de prendre la carte aussi, ange terrestre. Dans tes vies antérieures, tu étais comme, tu avais une mission d'aider les gens. Tu aimes aider les gens, en fait. Et parfois, on prend ça mal. Parfois, on te méprend avec ça. Donc, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas abandonner. Tu es un ange terrestre. Tu es là pour apporter le bonheur aux gens, le bien-être. Il faut que tu persévères. Parce que c'est comme si l'ennemi, c'est là-bas que l'ennemi t'attaque aussi. Parfois, en voulant même trop aider les gens, ça te retourne contre toi. On te voit mal, on t'insulte. Mm-hmm. Alors que tu voulais seulement aider les gens. Hein? Mm-hmm. Bon, on a fini. On clôture le jeûne tout à l'heure. Donc, je vais peut-être faire. Je refais la prière dans. Je sais pas ce que Dieu va me faire dire dans la prière là. Parce que j'ai beaucoup parlé. Je parle depuis 20 heures quelque chose. Donc, on va voir ce qu'il va dire le temps là. Attendez pas d'avoir mangé ma nourriture. Ok. Tout ce que tu fais, on te rembourse. Tu dis que c'est pas toi mon enseignant, mais tu es gentil. Hey, c'est Dieu, vous allez m'abuser ici là. Tu es gentil. Ok. Bon, tout à l'heure, non. Ceux qui sont dans le groupe de prière là, je vais envoyer le lien dans quelques temps. Ok. Voilà. Je bénis tout ce que vous avez reçu aujourd'hui. Vous êtes dans une période de reconstruction. Vous avez une période où vous êtes en train de mettre des nouvelles bases pour la future personne que vous avez vue depuis, qui est en train d'émerger. Je vois en fait comme si vous renaissez comme un phénix, vous renaissez de vos cendres. Voilà. Donc je vous bénis, je bénis tout ce que vous avez reçu, que personne ne puisse prendre ce que vous avez reçu aujourd'hui. Voilà. Recevez la faveur de vos employés, de vos employeurs. Recevez la faveur. Ok. Bonsoir Yolande Noufélie. Je me souviens pas de toi, ma chérie. On s'est connus pour ça, s'il te plaît. Mmh. Tu arrives que je suis en train de partir. Oui, j'étais en Angleterre. Je vous ai dit que je faisais des prophéties en commun. Mmh. Que celui que tu héberges a failli tuer tes enfants. Ma chérie, envoie le feu sur lui, non. Pardon, laissez-moi voir les commentaires. Je dois faire la prière à minuit et je dois aller manger. Donc, ça fait beaucoup à faire. Donc, à tout à l'heure. C'est Mireille, Mireille, Mireille. Ouais, Yolande, comment tu arrives à ne pas manger, non? Mireille, Mireille, qu'est Mireille? Mireille à Coventry. Et tu me reconnais parce que moi, j'ai changé. On me dit que j'ai grossi. Mmh. Ça t'a fait au moins 10 ans, hein, parce que... Ça t'a fait au moins 10 ans. Et moi, là, parfois, j'oublie beaucoup, hein.
Il n'y a que l'argent que je n'oublie pas. Pardon. Est-ce qu'on ça à Birmingham? Moi, c'était Birmingham, c'est que je ne me rappelle pas, ma chérie. Bon. Vous passez une bonne soirée. Le numéro est là. Bon, en tout cas, tu pourras voir quand même ce que je fais maintenant. Parce que je crois que tu n'es pas tombé sur moi par hasard à nouveau. Ok. Je remercie le Seigneur pour votre vie. Je vous remercie aussi pour les commentaires, le soutien. Passez une bonne soirée. Ok. Bye bye.